Ça, salut, bienvenue pour le dernier live sur Pokémon Perle Scintillante. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va se combattre contre le conseil 4, le conseil des 4. Il est 21h comme tu peux le voir en bas à droite de l'écran. C'est parce qu'on a pris une petite heure pour ce stuff. On a donné les bons objets à chaque bon Pokémon, les bonnes CT à chaque bon Pokémon. On a un peu géré, on a acheté plein de trucs. Bref, on est paré, donc je t'ai évité de voir ça parce que ça nous a pris une heure. Mais voilà, bon bref, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Dernière rediffusion sur Pokémon Perle Scintillante 4G Remake Switch, et on découvrira les gens de Arceus soit ce dimanche, soit lundi qui suit, ou soit les deux en même temps. Ça serait le meilleur des scénarios. Bref, YouTube, je te souhaite une bonne rediff, et moi je pars directement pour me combattre contre le conseil des 4. Montre-moi les badges que tu as récoltés à travers notre belle région, que je vois si tu es apte à défier la Ligue Pokémon. Tu as donc obtenu le badge Charbon de Charbourg. Oh, Fortnite s'est mis à jour. Ok, allez, c'est bon, on va aller jouer à Fortnite. Alors, il est où Fortnite? Ah, il a pas fini de se mettre à jour, dommage. Le badge forêt de Vestigion, le badge pavé de Voilaroc, le badge palustre de Verchamp, le badge fantôme d'Unionpolis, le badge mine de Joliberge, le badge glaçon de Frimapic, et enfin le badge phare de Rivamar. Nice, c'est du bon boulot ça ou quoi? Félicitations dresseuse, tu as rassemblé les 8 badges de Sinnoh. Montre ton talent, ta gloire t'attend. La gloire t'attend. Et là j'arrive pas à rentrer, je suis bloqué. Le mec il se cogne, il tombe dans les pommes, le pauvre il meurt, c'est fini. Merci à Sakushu qui a resub pour son 3ème mois. Je crois que je l'avais lu, je sais plus, dans le doute je le relis. Merci beaucoup. C'est parti. Let's go. Let's go. C'est quoi la strat? C'est mieux de sauvegarder avant en combat? Ou de sauvegarder Oh, de toute façon, ça change rien dans tous les cas. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil 4, ravi de te rencontrer. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte. Ah, ouais, mais alors avec. Alors vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il fallait que je garde mon attaque de type vol sur Pangoléon au cas où je tombe sur des Pokémon de type insecte? Hein, vous vous en rappelez? Hein, vous vous en rappelez? Hein, vous vous en. Eh bien putain! Si je me bats ici, c'est pour devenir parfait comme les Pokémon type insecte. Que le duel commence. Hein, vous vous en rappelez? Purée! Si j'avais su, j'aurais mis Pigeon en première... Ah, putain! Bon, allez. Ça va bien se passer. Il va envoyer un petit chenipan niveau 4, je le sens. Un Papinox. Alors, fais-moi rire. Ils sont de quel niveau, les Pokémon de la du conseil des 4, là? Et du moins, le premier dresseur. Dis-moi qu'ils sont pas beaucoup, genre niveau... allez, 20... 53. Ah ouais. Ah ouais, on va se faire démonter ou quoi là? Ok. Type insecte et vol ou insecte et poison, lui, je me rappelle plus. Bon. J'ai envie de. Bah écoutez, j'ai juste envie de changer de Pokémon et passer directement sur Pigeon en fait. Insecte et poison. Ok. 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 Bon, ça devrait le faire. Je l'intimide, attention, tu es très intimidé. Tu commences avec mur lumière. Ok, c'est parfait. Tranquille. Alors, oui, il me regarde pour savoir quoi faire, je sais, je sais. Donc rapace, mais je vais me faire mal. Et je n'ai plus. Oh merde. Je n'ai plus mon Grelocope pour récupérer des PV, suis-je bête. Et puis on a vol qui fait du 90. Ouais, je pourrais toujours lui mettre une petite potion, hein. On va voir ce que ça fait vol déjà. Juste l'attaque vol, est-ce que ça lui fait très très mal ou ça lui fait un peu mal? Voilà, il utilise bourdon, mais j'évite l'attaque évidemment. Et là j'utilise vol. Et paf! Ok, donc c'est. Bon d'accord, on est peut-être pas obligé d'aller sur l'autre qui me fait du mal. Vol, c'est pas mal. Vol, c'est bien, j'aime bien vol. C'est cool. Yes! C'est bien ça, niveau 61, j'aime beaucoup. Il envoie Scarino, donc là du coup on est toujours sur un Pokémon de type insecte, on change pas. Scarino, il est insecte et quoi? Insecte et combat? Ou non, juste insecte peut-être. La même, du coup, vol. Mais il attaque en premier. Et ah putain, éboulement, ça va faire très très mal ça. Sur un Pokémon de type vol. Je pensais pas qu'il avait une attaque de type roche, mais comme quoi. Il s'est brûlé, comment il s'est brûlé? Il est génial. J'évite l'attaque, je fais vol. Très bien, ça le one shot, c'est pas mal ça. Bravo, excellent ça.
Merci Soso la gueuse qui a sub en tier 1 pour la première fois de toute sa vie. Je te souhaite la bienvenue. Ça aurait été trop bien que dans Pokémon, quand ils proposent de changer de Pokémon, au lieu de faire ça, tu puisses aussi utiliser une potion. Tu vois, tu utilises ton tour pour utiliser une potion. Ouais, ça serait peut-être trop cheaté. Non, je ne change pas de Pokémon pour l'instant. Bon, lui, il devrait pas avoir d'attaque qui m'explose, genre d'attaque de type roche ou quoi. Donc, je refais une attaque de type vol. Et en plus, j'attaque en premier, donc c'est cool. Papillodance. Papillodance. Qu'est-ce que ça lui augmente, c'est ça? La défense, l'attaque, la vitesse, peut-être? L'attaque spéciale, ok. Ok. Il utilise Psycho, mais évidemment, ça ne me touche pas. J'attaque vol. J'aime ce qui se passe. Bravo. Bravo. Excellent. C'est bien Lucario ça, monte de niveau. Ah, il va prendre Point Météor. Ah, tu niques toute ma strat. Attends, attends, Point Météor c'est quoi? 90-90, ouais mais mec, peut augmenter l'attaque du lanceur. Ah c'est bien ça l'attaque du lanceur, quoi que t'as rien à part ça qui augmente le... qui demande d'attaquer en attaque. Peut faire baisser la défense spéciale de l'ennemi, j'aime bien ça. Ça revient exactement au même. Mais même s'il lui fait plus mal, il a une chance sur 10 de rater. Mais en vrai, une chance sur 10, c'est tellement faible. Qu'est-ce qu'on fait le chat? En vrai, elle fait beaucoup plus mal celle-là parce qu'elle a 90 au lieu de 80. Et surtout parce qu'elle attaque avec l'attaque qui a 122 au lieu de l'attaque spéciale qui a 119. Donc, elle serait plus intéressante, Point Météor. Surtout qu'elle augmente mon attaque. Donc, la fois d'après, j'attaque encore plus fort. Et c'est très mitigé, j'ai l'impression. Il y a quand même plus de personnes qui me disent de pas changer, je crois. Eh bien, j'ai envie de m'écouter, tiens. Allez, je le fais. J'ai des couilles. Tant pis. On verra si j'ai eu tort. L'avenir me dira si je me suis trompé ou pas. Il envoie Happy Rain. Juste insecte. Hein. Il n'y a rien d'autre hein, avec Happy Rain. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans le jeu, ce Pokémon. Je me rappelle plus. Il a un pouvoir qui fait que je peux pas manger de B, j'ai l'impression. Alors je m'envole, j'évite sa première attaque. Appel défense, ok. Ça c'est strat ça. Il augmente sa défense spéciale. Non, juste la défense. Si, il est deux, ok. C'est bien ce que je pensais. Donc peut-être que je vais pas le tuer. Eh oui, eh oui. Bravo, merci. Donc là il va se manger une petite B. Vas-y, mets-toi bien. Peut-être utiliser une potion, moi. Il refait appel défense. Ça va être difficile de lui faire du mal. Je vais faire une... J'utilise une potion et après je vais utiliser mon attaque qui fait du 120. Une super potion devrait suffire. Ça fait quoi, 60 PV? Ma grosse tête qui m'empêche de voir combien de PV à pigeon. Oui. Ah, quoique... Bah c'est toujours ça de prix, tant pis. Est-ce qu'il va m'attaquer directement ou pas? Acrobatie. Voilà. Ça m'a fait un petit peu mal quand même. Il a augmenté deux fois, donc même si j'utilise Rapace et je me fais des dégâts, il m'attaque, je meurs en fait. Tant pis, je le tente. Il a plus que deux Pokémon. J'abandonne et je passerai avec un autre Pokémon après. Dommage. C'est parce qu'il a augmenté sa défense. J'aurais dû la faire en première, cette attaque, peut-être. Là, il va m'attaquer. C'est la fin pour Pigeon. Adieu. Au revoir, Pigeon. On se retrouve de l'autre côté. Alors, lui qui est de type vol, du coup, ce qui serait intéressant... de type insecte. Donc le feu, j'en ai pas, évidemment. Le vol, j'en ai plus. Hein. J'ai personne qui a d'attaque de type vol. Ah, si, je suis con. Non. Et non, lui, il en avait, mais il en a plus. Bien fait de vous écouter. Sinon, de type roche. On a un Pokémon qui a des attaques de type roche. Mais c'est juste que tu as un très faible level, en fait. Et j'ai peur que tu te fasses démonter. Vas-y, on le tente. J'ai pas de Pokémon de type feu. Éboulement. Oh putain, il utilise guérison. Adieu. Ou
ça lui a fait bien mal. Il serait pas de type vol aussi à Pyrène? Parce que j'ai l'impression que... Ah, c'est coup critique. Je croyais que je lui avais fait dégâts x4 en fait. Oh, j'attaque une nouvelle fois en premier. Ça, c'est génial. Attends, mais ça a pas suffi pour... Ah oui, mon coup critique était insane. Oh non, il est chiant. Arrête. Enfin. Oh là là, c'est une catastrophe. Ben on va continuer. Hein. De toute façon, je continue d'attaquer en premier. C'est bien ça. Allez, il faut encore que je fasse deux fois l'attaque. Et là, ça va faire très très mal. Je souffre très fort. Ah, car je crois que ça m'embête parce que j'aurais bien aimé qu'il XP un petit peu. Je vais changer de Pokémon. Je vais envoyer un petit tank. Je vais faire une attaque de type glace. Ah, coup critique, ça ignore les boosts de défense. Donc ça n'a pas pris en compte tout ce qu'elle s'était mis tout à l'heure. Ça, c'est intéressant. Putain, il a fallu qu'il me fasse un coup critique lui aussi. Alors, laser glace, pour commencer. S'il est de type vol, ça devrait pas lui faire beaucoup de bien. Putain, il tient le coup, hein. Mais moi, je récupère des PV à chaque attaque. Ça, c'est intéressant. Eh ben, je vais en chier pour cette... pour cette ligue Pokémon, je t'avoue. Je vais avoir du mal. Ouais, ça l'a buffé de ouf. Ça l'a buffé de ouf, son appel défense. Deux fois en plus, il l'a mis. Très bien. Ok. Il envoie Draskor. C'est qui ça, Draskor? C'est pas le dernier boss dans Undertale? Ah, c'est rigolo. Draskor, poison insecte. Poison insecte. Ah, il m'aurait fallu des attaques de type psy ou sol alors. Donc j'ai merdé. 90, 65, 80, 90. J'aimerais bien qu'il soit gelé un petit peu. Ouh, il attaque en premier. Mais mon Pokémon entend mes encouragements. Il évite l'attaque. Ça, c'est vraiment beaucoup trop cheaté ce truc. Surf pour le stab. Qu'est-ce que ça veut dire le stab? Qu'est-ce que c'est le stab? Sisme, ça va pas me faire du bien. Ouais. Faut que je pense aussi à Saumur qu'il faut mettre quand il a... Quand il a plus que la moitié de ses PV, le Pokémon. Stab, c'est quand l'attaque est boostée, si c'est le même type que le type de ton Pokémon. Ah! D'accord. Et ça le fait pour chaque Pokémon, ça? Ou que pour Pangoléon? La puissance des Pokémon de type insecte et de la ligue Pokémon, mais aussi à quel point le combat est de type... J'ai perdu. J'ai perdu alors que les Pokémon insectes sont les plus beaux et les plus forts. Calme-toi. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Oui. J'ai compris la leçon, retour à l'entraînement, je compte sur toi pour m'encourager. Non. Je veux dire, ton prochain défi t'attend. Oui. Il te reste 3 des sorts à affronter, tous plus forts que moi, donne-toi à fond. On me dit oui dans le chat. Ah, mais je savais pas que le stab marchait pour tout le monde. Il faut que je soigne mes Pokémon un petit peu. Alors, on va soigner tout ça. Encore une fois, ma grosse tête qui gêne. Ça change pas, hein. Il y a des choses qui changent pas. Tiens, je vais me mettre là comme ça, c'est pas mal. Voilà. Ça, je me permets d'utiliser les petites potions hors combat en fait. Pour pas consommer les grosses. Très bien. Ensuite, il me faudra un petit rappel. On n'utilise pas le rappel max évidemment. Hein. On le garde pour le combat. Ensuite, hyper potion. Combien ça donne hyper potion? 120. Parfait ça pour Karchakrok. Et après, il se mangera une petite potion. Ok. Voilà. Et super potion pour pigeon. Voilà. Et peut-être même une deuxième. Allez, on est bon.
On est bon, rien d'autre à changer. Est-ce que vous me conseillez de sauvegarder ou pas avant le combat? Ça pourrait être intéressant de sauvegarder avant le combat, non? Tant pis, hein, de toute façon, si je perds. Si je perds, je reviens au début. Et j'ai sauvegardé avant la ligue. Donc, en fait, c'est mieux de sauvegarder avant chaque combat, je pense. Bon. Faudrait que j'essaie de deviner le type de Pokémon. Je sens bien un type sol, là. Un type sol ou un type roche. Donc, j'ai bien envie de laisser mon Pokémon type eau en premier. Regardez-moi ça. Comme tu es adorable, mais tu as également l'air redoutable. Je suis Terry. Quelque chose m'échappe. Ma spécialité, c'est Pokémon type sol. Je vais te montrer ce dont t'es capable, une vieille dame. Ah oui, d'accord. Terry, c'est un nom de dame. C'est marrant, ça. Je savais pas. Terry. Oh, t'es rigolo. Oh, mais c'est terrible. Oh, c'est rigolo. Allez, montre-moi qui tu as. Je mise sur un hippodocus à la fin. Hippopotame, je sais pas quoi, là. Donc, Marest. Ok, Pokémon de type O. C'est génial, ça. Merci. Merci, mes attaques de type O n'auront aucun effet. Enfin, elles feront pas trop mal, quoi. Bah tant pis, je vais rester sur... Ah non, mais surf, ça stab et tout, tu m'as dit... Vas-y. Attends, ça n'affecte pas Marest parce qu'il absorbe l'eau. Quoi? On peut pas lui faire des attaques de type O? Quoi? Je vais mourir. Je vais juste mourir, c'est terrible. Et je peux pas envoyer mon Pokémon type éclair parce qu'il est de type sol. Bon, mais c'est foutu, adieu. Type O, qu'est-ce qui pourrait faire mal? L'électrique, ça marchera pas. La plante? Ouais, la plante, ça fait double dégâts sur le sol. La plante. Je vais mourir. Hein. Je vais vraiment crever, pour le coup. Ça fait giga chier ou quoi, là? Je vais mourir. Donc, je vais laisser mourir Pingoléon, parce que je prends pas le risque de changer le Pokémon en cours de route. Parce que sinon, il va se prendre une rafale, l'autre, et il va crever. Donc, reséisme. Ok, donc il me laisse vraiment pas une chance. Comment c'est celui que j'ai un PV? Ça aurait dû me tuer. Il veut pas me faire la peine, non. Il endure le choc, mais c'est incroyable ça. Et lui, il regagne des PV. Waouh. L'amitié, mon gars. Donc j'attends que Tuxi meure pour envoyer mon Shiny. Ça aurait été bien. Un petit coup critique là, ça aurait été pas mal. Après, s'il fait que du séisme, moi, je peux envoyer pigeon, hein, tu me diras. Parce que si j'envoie le pigeon, moi, il a des attaques de type combat. Ouais, mais ça fait ni... Ouais. Mais au moins, il sera pas affecté, ça pourrait être pas mal. J'espère juste qu'il a pas une attaque de type roche. S'il te plaît, sois cool. De toute façon, il a pas beaucoup de vie. Je vais essayer de le one-shot avec une seule attaque. Oh, ça fait bizarre, les gribouillis en haut de l'arène. On dirait une télévision qui capte mal, tu sais. Je vais attaquer avec vol. Oh putain, mais c'est pas vrai. Bon, au moins tu utilises maintenant, tu me diras. Tu la gardes pas pour plus tard. Mais merde, quand même, ça fait chier. Ah, il va m'attaquer en plus juste après. Utilise toxique. Oh non. Oh non, adieu. Je déteste avoir un Pokémon empoisonné. Oh là là, mais c'est incroyable. Il arrête pas de récupérer de la vie tout le temps. Et moi, je suis empoisonné. Bon, vas-y, quitte à être empoisonné, donne tout ce que t'as avec Rapace pour voir. Ouah, ça fait tellement pas mal. Ça fait tellement pas mal. Ah putain, j'utilise soin, mais j'en peux plus. Mais c'est quoi ce Pokémon de fou? J'ai l'impression que je joue pas au même jeu qu'avant. La route victoire, c'était une promenade de santé, c'était Pokémon, c'était facile, je roulais sur tout le monde. Et puis là, Ligue des 4, la difficulté a augmenté de fois 1000. Quoi? Grolem! Oh putain, va falloir que je change vite de Pokémon là. Là j'ai plus rien à faire ici. C'est très bien anticipé ça de sa part. Ouais, faut vite que je m'en aille pour le coup. Quoique, il a une attaque de type combat qui pourrait lui faire mal. Mais lui, il va m'envoyer de la roche, il va m'exploser. Hein.
J'ai envie de le tenter. J'ai plus de vitesse que lui. Je sais pas, ça pourrait peut-être passer en vrai. Ok. Bon, j'ai bien fait de tenter le coup. Il stream hack. Et Terry me stream hack ou quoi là? Yes, il va évoluer à la fin du combat, ça fait plaisir ça. C'est cool ça, très très cool. Il va prendre Blizzard. Oh, c'est très bien ça, Blizzard, c'est une forte attaque. Regarde, point glace là, il est à 75-100, alors que Blizzard il est à 110. Oh non. Oh non. Ah, mais je savais pas que c'était aussi faible en précision. Oh non. Ah, je lui apprendrai pas. Dommage parce qu'en plus c'est attaque spéciale donc ça fait encore plus mal que l'attaque normale. Mais oh non. Ça fait trop mal, c'est une chance sur trois de louper. Ah, c'est vrai que mon personnage a le pouvoir de grêle. La grêle augmente la précision à 100%, ton Pokémon a... Ah, bah c'est génial alors. Adios, point glace. Bonjour, Blizzard. Oh, bah il va être trop fort là. Là, il va être d'une puissance phénoménale. Oh, trop bien ça, trop bien. J'avais oublié en fait. Allez, courage mon grand. Faut que je fasse une guérison à lui, enfin un truc qui soigne le statut et à la fois qui soigne les PV. Simularbre type juste plante. On est d'accord, il y a rien d'autre. Hein. Type plante et sol. Plante et sol. Donc il faudrait de la glace dans ce cas-là. Est-ce que ce serait pas le moment de sortir notre petit shiny et faire du petit blizzard là? Non, ah j'ai dit de la merde, pardon. Ah non, il est juste roche en fait, j'ai dit n'importe quoi. Ok, bonjour. Donc juste roche, il me faudrait soit de l'eau, soit de la plante, soit du combat, soit du sol, soit de l'acier. Après le roche, ça fait... Ça fait pas mal quand tu es de type combat, sol et acier. Ouf, je pourrais envoyer Lucario. Et contre la roche, faire des attaques de type combat, ça pourrait être pas mal. Ou de type acier. Ça pourrait être vraiment pas mal, ça. J'ai bien envie d'essayer d'entraîner un petit peu Lucario pour voir ce qui va se passer. Vas-y, je le tente. Et au pire, Lucario, il va tanker pendant que je redonne de la vie à Pigeon. Donc l'attaque la plus forte, c'est 80 ou 90. Mais sauf qu'elle augmente mon attaque, et ça c'est très stylé ça. Ça augmente l'attaque, donc si je rattaque juste après, je attaquerai encore plus fort. J'ai 10 niveaux de moins que lui, c'est ouf. Il attaque en premier. Non, c'est bon, ok, cool. Très stylé l'attaque, très belle. Super efficace. J'augmente l'attaque, faudrait pas qu'il me tue, il faudrait que j'arrive à la replacer une nouvelle fois après. Ouah, il prend beaucoup. Balayage. Il m'a explosé. Il avait une attaque de type combat. Il m'a démonté. Nickel. Merci Lucario pour ta présence. En tout cas, c'était trop bien de te voir. J'ai vraiment passé un très bon moment avec toi. Il m'a balayé hein, complètement. Regardez comme il est shiny. Il est trop beau. C'est con de le sortir maintenant parce que, en fait, alerte neige, ça va aussi blesser mes Pokémon qui viendront après lui. Hein, donc c'était très très bête. Hein. Bon, mais marteau bois hein, direct. Hein. Sauf que. Oh, j'attaque en premier, quelle chance! Ça n'a pas suffi, quel dommage. Il va me balayer fort. Il va me balayer très très fort. Adieu. Au revoir. Au revoir, merci. Merci d'avoir laissé la grêle sur le terrain. C'est chouette. On pourrait tenter tunnel. Ouais, le type sol fait mal au type roche. Tunnel pourrait faire du taf s'il attaque en premier. Pardon.
Oh, j'en peux plus. Ah, JPP. J'en ai trop marre. Ah non, c'est la grêle qui lui a fait mal. C'est pas mon tunnel. J'ai cru que c'était mon tunnel qui faisait ça. Ça va. Ça va. Damoclès. Ah, oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh non, la grêle m'a tué. Non. Ah putain. Je savais que j'aurais pas dû sortir la grêle dès le début. C'est quelle erreur. Quelle erreur de débutant. Je vais me faire démonter. Je vais me faire démonter. Ah, c'est trop bien. Ouais. Let's go. Tu vas me servir de... tu vas me servir de tank. J'en profite pour réanimer aussi Lixi. Tuxie, pardon. Un petit rappel sur Tuxie. Pas le rappel max encore, on peut le garder pour plus tard. Fracasse tête. Oh putain. C'est génial ça quand ça s'arrête à un PV. Il est incroyable ce jeu. Il est incroyable. Une hyper potion s'il vous plaît. Sur Tuxie. Et comme ça la mort de vol permettra de switcher directement de Pokémon. Il se fait pas mal en... Attends, c'est une blague là? Attends, c'est une blague ce qui vient de se passer. J'étais vraiment à 1 PV. Il m'a pas tué et je suis resté à 1 PV. Non, mais c'est. Non, mais il est cheaté ce jeu. Il est trop cheaté ce jeu, c'est abusé. Ok, parfait. Comme ça, je peux switcher directement de Pokémon. Ah, il doit m'aimer très très fort, oui. Ok, on sait qui va envoyer. J'aimerais bien savoir qui il va envoyer, en fait. On ne sait pas qui il va envoyer. Mais dans le doute, je vais envoyer... Ça dépend si c'est un type sol... Ouais, j'envoie Pigeon, et en dernier recours, on aura Tuxie. Un Barbichat. Barbichat, c'est quoi ça? C'est Pokémon. Oh, non. Au sol. Donc les attaques électriques ne serviront à rien. Je vous avais dit que c'était un tank, Volt. Il a tanké deux, à 1 PV à deux reprises. Au sol. Ah. Ouais, mais c'est chiant parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Au sol. Il n'y a pas de strat intéressante. Ah si, il y a le plan, la plante. Les attaques de type plante. Mais Blizzard Roi est décédé. Et de toute façon, je sais pas s'il arrivera à en remplacer une. Sinon, l'eau. Mais il est déjà de type eau, donc ça va rééquilibrer. Ouais, les attaques de type plante, ça aurait été pas mal. C'est son dernier Pokémon. Vas-y, je change pas. Ouais, un peu. La plante, ça aurait fait x4 de dégâts. Bah, juste attaquer avec mon attaque la plus forte. Hein, qui est celle-là. Ah, quoi qu'après, vol, ça peut être intéressant. Non, je vais faire ça d'abord, en espérant qu'il fasse une attaque de type défense ou quoi. Bon, vol, ça fera rien contre le type eau et contre le type sol. Non, c'est bon. Non, le combat, je veux dire. Le combat contre le type eau, c'est bon. Et contre le type sol, c'est bon aussi. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Ah, si j'arrive à lui en placer une deuxième sans qu'il se soigne, ça peut être pas mal. Hein. Ah, ça me baisse ma défense, mais c'est incroyable, ça. Laser glace, adieu. Adieu, pigeon. Oh, peut-être pas en fait. Incroyable ça. Tu me le refais ça ou pas? Oh, j'ai cru qu'elle allait utiliser guérison. J'allais péter un câble.
Est-ce que c'était son dernier Pokémon? Ça, je ne sais pas. Bien joué, Volt, t'es le meilleur. T'as tanké, t'es le roi. Oh putain, il lui reste... Oh, le Marest de ses morts. J'avais oublié Marest. Il lui reste deux Pokémon. Quoi? Adieu. Ah, il a tellement de vie, Marest. Faut arriver à le one-shot au plus vite. Je vais mourir, mais c'est pas grave. Au moins, je lui fais une forte attaque qui est pas si forte que ça, en fait. Non, ça me fera pas mal. Pouvoir de l'amitié, ça m'enlèvera que 3 PV. T'inqui... Ah si, ça fait mal, quand même. Oh mon dieu, Marest. Oh, il est mort. Oh mon dieu. Il est en train de me fracasser. Et je suis que contre le deuxième dresseur. Il a pas moins de la moitié de ses PV, quel dommage. J'aimerais bien essayer de le geler, en fait. Je sais que Surf, ça fera plus mal parce que c'est une attaque de type eau, mais bon, on s'en fout parce que lui aussi est de type eau. Et en plus, je peux pas. Les attaques de type eau, il les absorbe, je me rappelle. Il va faire séisme, il va m'exploser avec séisme, j'avais oublié. Oh, faut que j'arrive à le battre en deux attaques. Faut que j'arrive à le geler. Oh, let's go. Allez, s'il te plaît, n'attaque pas. C'est bon, le séisme ne passe pas. Ah bah c'est ça de provoquer la chance, les gars. C'est ça de provoquer la chance. Ouais. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Il y a des trucs qui se passent, là. Ah, il y a Volt encore avec un PV, j'avais oublié. Hippodocus, j'étais sûr qu'elle allait l'avoir. Hippodocus type sol uniquement, on est d'accord. Ah, c'est un type femelle ou un type mâle, je sais plus. Mais il a pas la même couleur. Une tempête de sable se prépare. Ok. Ah, super efficace, laser glace aussi. J'aimerais bien retenter le... Ah, j'aimerais bien retenter le... Eh oui, mais non, ça fait plus mal si je fais des attaques de type eau. Je commence à comprendre. Le stab, évidemment. Oh mais let's go. Oh mais let's go. Oh mais trop bien. Bah, excellent. Mais Terry, t'es trop nul. Eh bien, je suis impressionné. Il est évident que tes Pokémon croient en toi et font de leur mieux pour remporter la victoire. Merci Volt, qui a tenu à 1 PV pendant 2 tours. Malgré ma défaite, je ne peux m'empêcher ce sourire. Yes, merci pour la thune. Merci pour les GG dans le chat. Merci de la Croix Pixie pour les 600 bits. C'est comme prévu, car chaque rotte évolue. Et là, il va augmenter ses petites stats. Il ne manquait que toi pour la Ligue Pokémon, tu le sais. Hein. Bah, t'as pas une très belle tête, quand même. On n'en parle pas assez, mais t'as une tête plate, c'est pas très joli. Mais vas-y, c'est pas grave, t'es fort. Hein. Il vole à la vitesse d'un avion de chasse et ne laisse jamais sa proie s'échapper. Il va prendre Machouille. On va voir. Ah, c'est mieux que Morsure, Machouille, parce que Morsure c'est 60, Machouille c'est 80. Il peut baisser la défense. Allez, ça dégage, Morsure. Bye bye, Morsure, merci d'avoir existé, au revoir. Papapapam! Let's go. Tu es vraiment très douée, jeune dresseuse. J'admire la façon dont vous unissez vos forces et Pokémon et toi. C'est ce qui fait toute votre puissance. Je pense que vous irez très loin et je sais de quoi je parle. Merci, mémé. Bon, va falloir soigner beaucoup de personnes maintenant. Pourquoi des rappels, il m'en fallait peut-être un peu plus. J'aurais dû en prendre 6 x 4. Ah non, mais j'en ai assez dans tous les cas. Ah non, sans compter ceux que je pourrais utiliser en combat. Ah pardon, j'ai cru que t'étais mort, excuse-moi. Bon, maintenant on va utiliser des... Je déteste le joystick dans ce jeu, c'est ouf. J'espère que je suis pas le seul à qui ça arrive de vouloir monter. En fait, je pars à droite ou à gauche. Des super potions... Une pour toi.
Une pour toi. Merde, j'ai appuyé deux fois. J'ai merdé. Oups. Une pour toi. Une pour toi. Une pour toi. Une pour toi. Oh tiens, encore une pour toi. Une pour toi, mais même encore une pour toi, tiens. Très bien. Ensuite, une hyper potion pour toi. Et ensuite... Ah ! C'est agaçant à la fin. Une super potion. Et enfin, peut-être un peu d'huile. Restaure 10 pp d'une capacité sélectionnée. Non. Oui. Sinon, à part ça, non. 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 Et oui. Et on est bon pour maintenant. On peut sauvegarder. Non. Oh, c'est le cœur! Rappelez-vous, je vous avais fait un cœur la dernière fois, c'est vrai. J'ai oublié. Donc du coup, avant-dernier dresseur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Sauvegardons. Alors, qui ça va être? Je me demande bien quel type de Pokémon on va avoir ici. Je sais pas trop en fait quoi dire. Ah, je sais pas. Bonjour. Hé, l'artiste! Je brûle d'impatience de t'affronter depuis que j'ai appris que t'arrivais. J'ai entendu parler de tes exploits à Rivamar. T'as réussi à raviver la flamme de Tanguy. Pardon. Bien joué. Du coup, évidemment, j'ai hâte qu'on se batte. C'est sûrement des Pokémon de type ténèbres. Ou acier. Je me pose la question. Je vais l'exploser avec mes attaques de type glace. Un Galopa, le seul Pokémon feu de toute la 4ème génération. Incroyable. Bon, j'espère que je vais lui faire du mal un peu. Bon, mon grand, tu le démontes. S'il te plaît, merci. Il attaque premier. Ah, ça fait mal, ça. Non, enfin, ça fait mal, mais ça fait pas tant mal que ça. Par contre, il augmente quoi, son attaque, non? La vitesse. On s'en fout, il attaquait déjà premier. Allez, bois de l'eau, c'est important pour la santé. Il est mort. Il n'a pas bu assez d'eau. Faudrait que j'envoie Blizzaroi après, parce qu'il a des attaques de type plante. Pour être fort, je pense. Nice, il récupère un peu de vie. Oh, pas mal même. Pas mal de vie. Et tout le monde prend des PV, c'est bon ça. Let's go. Lockpin. Lockpin, c'est pas un Pokémon type feu. C'est le lapin, là. C'est l'évolution du lapin, non, Lockpin. Et type normal, non. Qu'est-ce que c'est, ça? Bah alors, de type normal, il me faut une attaque de type combat. On va envoyer le pigeon. Même si Lucario a une bonne attaque combat, il a quand même pas assez de level. Eux, je les utilise comme tank pour réanimer les autres. On va utiliser close combat, je pense. Lockpin, pardon, Lockpin. J'oublie à chaque fois que c'est un lapin, donc Lockpin. J'ai oublié que vous êtes des gens qui prononcez le mot lapin. Comme le pain, lapin, alors que normalement tout le monde dit un lapine. Genre, c'est le français, I-N, in. Un lapine. Masculin lapine, féminin lapine. Mais bon, c'est pas grave. Continuez à dire lapin. Un. Genre lapin, lap 2, lap 3, n'importe quoi. C'est marrant, hein, les différences dans les régions de France, la façon de prononcer les mots. Il y a vraiment des gens qui disent lapin, comme du pain à manger. Mais après, ces gens-là sont autant choqués que... Oh, ça fait mal, non? Autant choqués que nous, on dit lap-in. Dommage, ça aurait été pas mal de l'exploser, en fait. Et tu sais quoi, je vais relancer la même attaque parce que je sens bien arriver la guérison de sa part. Hein. Enchanté, bonjour. Et je sens bien arriver la deuxième guérison. Non mais lapine. Lapine, tu l'entends? Lapine, c'est au féminin. Et lap-in, c'est masculin. Lap-in et lapine. Il y a la liaison, lapine. C'est pour différencier le masculin et le féminin. Enfin, le mâle et la femelle, plutôt.
j'évite l'attaque, incroyable. Pourquoi on n'a pas vu l'animation de se faire? C'était trop bizarre ça, non? Donc, ok, c'est juste que j'ai pas attaqué en fait. Elle a dû avoir un contre-coup. Stylix! Oh! Stylix, Pokémon acier, mais mon attaque combat pour lui faire très très mal, dis-moi. Acier, j'ai pas de feu, j'ai pas de... Enfin, si, j'ai du sol. Donc en fait, il n'avait qu'un seul Pokémon. Je vous l'ai dit qu'il y avait qu'un seul Pokémon type feu, c'est Galopa, il n'y en a pas d'autre. Ou alors, Wistikram. Mais il n'y a rien d'autre. Le mec, regarde, il a un Pokémon type normal, un Pokémon type acier. Acier, c'est faible contre le type feu. Limite, c'est moi qui dois sortir un Pokémon type feu pour le battre. Mais on est où, là? Mais c'est terrible, c'est terrifiant. Ah, j'ai peur, j'ai mal. Oula. Bon, espérons que j'attaque en premier. Yes, ça fait plaisir. Oh putain, c'est tout. Oh putain, il a une bonne défense. Hein. Il a une très très bonne défense. Et là, il va me faire une attaque de type roche et c'est la fin du monde. Oh, j'évite l'attaque, je suis un monstre. Oh, je suis un monstre. Refais-moi ça. La loupe pas, la loupe pas. Elle a une chance sur 10 de louper cette attaque, je rappelle. Il est trop fort, pigeon. Pou, pou, pou. Par contre, sa défense, elle est à 0 actuellement. Défense et défense spéciale, 0, y'a rien. Tu me fais attaque charge, tu me fais attaque gros yeux, je meurs. Hein. Il envoie gros drive. Donc c'est le ballon là, s'il est type quoi, à part d'être type vol. Est-ce qu'il serait de type feu? Non! Il n'est pas de type feu! Il est que de type vol, gros drive. Spectre et vol. Spectre et vol. Sachant que le vol, l'électrique et la glace et la roche, ça leur fait mal, mais le spectre... Y a que le spectre et les ténèbres qui leur font mal. Ils supportent l'insecte, ils supportent le combat, ils supportent le normal. Bon, ben on va envoyer Volt, hein. On va faire des attaques électriques, ça ira très bien. Et puis voilà. Surtout qu'il est passé niveau 60, Volt, donc il faut le récompenser. Surtout qu'il tank de ouf, à 1 PV le gars. Il est dragon électrique et haut. Non. Non, là, non, tu dis n'importe quoi là. Étincelle, oui, parce qu'il est plus fort en type d'attaque qu'en attaque spéciale. Oh, il a fait Lilliput! Énorme. Il augmente quoi, ça l'esquive? Ah oh. Et il évite l'attaque, incroyable. Ce tour pour rien, c'était génial ça. Ah, j'ai une attaque de type ténèbres aussi qui pourrait être intéressante, mais attends, tout ça pour. Il m'a fait coucou et il repart. Tiens donc, le deuxième autre seul Pokémon de tout le jeu de type feu. Ne serait-ce pas Signabras comme je l'avais dit. Tiens donc, c'est drôlement étonnant ça. Est-ce que si je rattaque en premier, je le one-shot? Non, il attaque en premier, mince. Ouais, ça fait mal ça. Mais il tank. Il tank fort et en plus, c'est quoi qui baisse là? Hein? Tiens donc. Merde. Non. Oh non, ça fait chier. Ah, dommage. Dommage, bon bah adieu. Il est trop fort. Il est trop fort. Il endure le choc. Il est trop puissant. Ça passe ou pas mon attaque? Ok, j'ai parié sur le fait qu'il baissait sa défense et défense spéciale. Malgré que mon attaque est moins forte, au moins ça le one shot. Et en fait, je voulais changer de Pokémon dans la foulée. Mais en fait, c'est con parce qu'il va changer de Pokémon aussi. Donc ça ne sert absolument à rien en fait. Donc là, je parie sur le fait qu'il va renvoyer gros drive. Donc, je vais envoyer Tuxi avec son attaque laser glace. Ou même, je pourrais tenter. Ouais, mais Blizzard, ça casse les couilles parce que après mes Pokémon, ils vont prendre des dégâts aussi. Bah, je garderai pour le dernier Pokémon. Parce qu'il lui en reste combien là? Il lui en reste encore deux, je crois. Ouais, je vais faire laser glace, ça ira très bien. Ah, c'est son dernier. Oh. Ah, bah alors dans ce cas-là, j'envoie Shiny. Ah, je croyais qu'il lui en restait deux. Mais alors, gros drive, en plus, il a pris des dégâts et tout. Il est tout pourri. Il pue. Regardez comme je brille. Je suis Shiny. Je suis Shiny. Je sens l'ardeur de ta détermination jusqu'ici. Non, c'est que j'ai pété, pardon. Ah, il avait pas pris des dégâts? Ah non, j'ai attaqué l'autre. C'est vrai. Autant pour moi. Non, lui, il avait rien pris, du coup. Ouais, il y a une différence de taille de level. Hein. Bon. Ben, on verra si je peux au moins attaquer en premier. Sachant que j'ai un objet qui me permet des fois d'attaquer en premier. Ça ne marche pas. Vol force. Ça fait quoi? C'est-à-dire qu'il récupère mes stats de force? Non, mon attaque baisse. Ok.
Donc il mange sa graine. J'aimerais beaucoup que mon objet soit utilisé maintenant. Oh merde, il a pris beaucoup. J'aurais bien aimé attaquer en premier. Ouais, il pourra mourir si j'attaque en premier, je pense, avec la grêle. Dommage, j'utilise feu follet. Oh, feu follet, ça va me faire bobo. Je suis de type glace et plante, ça va faire très mal, ça. Ah, ça fait juste... Ça me brûle juste. Oui, parce qu'on est bien sur une arène de type feu, les gars. Et je suis en train de le battre avec des attaques de type glace. Je déconne pas, j'ai fait un fort shadowing tout à l'heure. Hein. La brûlure qui pique un peu. Allez, allez-y, tout le monde augmente de level, mettez-vous bien. Merci Adrien, tu étais moins flippant que le dresseur d'avant. Ça alors, je m'attendais pas à ça. C'est pas que je te sous-estimais, mais je pensais vraiment pas que je perdrais ce combat. En tout cas, tes Pokémon et toi, vous êtes vraiment fantastiques. À moi la thune. C'était une arène de type feu. Même lui, il est choqué. Waouh, tu m'as réduit en cendres. Il a mis 10 ans pour faire sa blague, putain. Il est trop drôle. C'est beaucoup trop rigolo. Oh putain, j'ai JPP. Bon, on recommence. Hyper potion. Pour toi. Ensuite. Super potion. Pour toi. Pour toi. Mais aussi pour toi. Très bien. Anti-brûle. Bah c'est parfait. C'est justement ce qu'il me fallait. Il a même pas eu le temps de brûler une seule fois le Pokémon, le pauvre. Et ensuite, l'huile, s'il vous plaît. L'huile pour pigeon. Qu'il a utilisé plusieurs fois. Voilà. Je n'ai plus d'huile. Va falloir passer sur. Élixir. Restaure 10 pp de toutes les capacités d'un peu. De toutes les capacités, mais c'est énorme! Ouais, je sais même pas quelle capacité il avait utilisé. Voilà, et le reste, je pense que c'est bon. Puis Volt, il a pas utilisé beaucoup plus d'attaques que ça. Je pense qu'on peut y aller comme ça, on est bon. Je me suis trompé, on sauvegarde. Et si je dis pas de bêtises, on va combattre le dernier dresseur du conseil des 4. Qui est évidemment le dresseur avec des attaques de type dragon, à savoir. Pété de son nom Peter. Ah non, c'est pas le dernier dresseur, il y en a encore d'autres. En fait, il y a encore deux autres dresseurs. Je pensais qu'on allait directement faire le dernier là. Je suis trompé. Attendez, c'est pas le conseil des 4. Les 4, il y en a 5 en fait. Ah oui, non, mais non, je suis con. 4 puis 1 mètre, oui, t'as raison. Énorme. Donc, j'imagine bien, de vu la couleur un petit peu violette, que c'est des Pokémon électriques ou plantes, dites-moi. Alors le spectre, ça fait mal contre le spectre ou les ténèbres. Donc on va placer en premier un petit Volt, je pense. Il a une attaque de type ténèbre qui fait bien mal. Lucario aussi a une attaque type ténèbre qui fait bien mal, mais il a pas beaucoup de level. Après, si c'est des Pokémon de type ténèbre, j'ai l'insecte, mais j'en ai pas. J'ai le combat. Ouais, il y a l'oiseau aussi. Mais je vais laisser ça. Je vais laisser lui en premier et miser sur les attaques de type ténèbre. Allez, on verra bien ce que ça donne. Lucio, tu ne pouvais mieux tomber, je viens tout juste de finir mon livre. Permets-moi de me présenter, je suis Lucio, adepte des Pokémon de type Psy. Je dois admettre que tu m'impressionnes, ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'ici. Sache que l'on me considère comme le plus redoutable des membres du Conseil 4, et je vais te prouver sur le champ que je suis à la hauteur de ma réputation. Ok, j'ai peur. Let's go. Il est très stylé ce bonhomme. J'aime bien son style, son costard rouge, ses lunettes, ses cheveux comme ça. Sa chemise noire. J'aime beaucoup son style. Ah, ok, des Pokémon de type Psy, j'ai tellement pas anticipé ça par contre. Merde. Vraiment, merde. Mais c'est pas grave parce que l'attaque de type ténèbre fait aussi mal aux Pokémon de type Psy, donc c'est bon, ça me va. En fait, pour ténèbres, Psy ou Spectre, faut miser sur ténèbres, insectes. Et spectre aussi. Donc c'est parti. Ah, pourquoi ça lui fait pas plus mal que ça, ma chouille? Je la fais quand même. C'est mon attaque la plus forte. Il utilise protection. Et ça, ça va m'agacer, protection. Parce que ça va beaucoup le protéger. Lui et les autres. Surtout qu'il se protège des attaques physiques. Donc de l'attaque normale. Donc là, il faudrait que je passe sur. Change éclair. Que je change de Pokémon. De type psy, pas d'attaque insecte, pas d'attaque spectre. Ça pue là, j'ai que ça. Oui, non, oui. Il y a des attaques de type fée qui font mal aux Pokémon ténèbres, c'est vrai. Mais j'en ai pas. Ça pue pas mal pour moi là. Je vais tenter un cage éclair.
pour empêcher de tromper ferme. Encore ? Oh mec, alors là il vient de ruiner ma game. Il vient de ouf protéger, c'est très strat ça d'envoyer Monsieur Mime en premier. Il vient de ouf de protéger toute sa clique. Donc je vais faire une attaque qui en l'attaquant je vais changer directement de Pokémon et je vais vérifier Pigeon, voir son attaque, s'il a d'attaque spéciale ou pas, son attaque ténèbre. Mon petit pigeon, montre-moi ça. Ah pardon, c'est écrit juste là. Non, je le vois pas. Attends, il a pas d'attaque ténèbre? Mais qui a une attaque ténèbre en fait? Ah non, merde, c'est lui. Ok, ça peut être intéressant. Mais t'as pas beaucoup de level. J'ai tenté Lucario, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que je fais. Ah, Monsieur Mime est de type fait une attaque acier pour lui faire mal, vous dites? Ah! Une attaque acier pour lui faire mal. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement, oui. Oh merde. Bon, bah c'est le moment d'utiliser Point Météor et de récupérer des PV et en espérant que sa paralysie l'empêche d'attaquer en croisant les doigts. Ah bah j'attaque en premier, parfait. Pas mal ça. Et merde. Psycho, c'est une attaque qui... Merde, ça fait chier. Les problèmes donc. On va envoyer notre cher Tuxi qui va faire des attaques acier lui aussi. Voilà, pour l'instant je vois que ça du coup. Allez, vas-y, montre-nous la puissance de cette attaque, s'il te plaît. Eh, ça fait pas si mal que ça, hein. Mais son mur lumière l'a bien mis. J'ai hâte que le mur lumière parte, et surtout j'ai hâte qu'il soit paralysé, en fait. Juste. Oh non, mais c'est putain de pas vrai, ça. Ah ! Ah, j'ai mal, c'est tellement long. Mais au moins il l'a utilisé maintenant. Il l'utilisera pas plus tard, c'est toujours ça de prix. Donc en fait, la paralysie n'existe pas en fait chez les Pokémon de type Monsieur Mime. Genre on se dit, tiens, on s'en fout. Venez, on fait comme si ça n'existait pas. Ah mais il est plus paralysé en fait. Ah mais c'est peut-être pour ça. Ok, d'accord, je capte. Non, il est plus paralysé, ok. Donc c'était très utile au final. Ah mais oui, il a fait guérison, forcément. Ça réinitialise ça, ouais. Merci en tout cas pour le coup critique, hein, l'amitié, tout ça, pour me faire plaisir. Est-ce que tu utiliserais pas un deuxième guérison des fois, là? Non, il a pas osé. Bravo! Eh ben putain! Ah, j'aurais pu faire Saumur, t'as raison. Le stab, plus la moitié des PV. T'as raison, il y avait une strat là. Mur lumière ne fait plus effet, ça c'est très bien. Il envoie Charmina. Charmina? Charmina? Qui est Charmina déjà? Charmina? Pokémon de quel type? Charmina? J'ai un trou de mémoire. Ah, c'est le moche là avec des grosses jambes roses là. À chaque fois que je le vois, je me dis, mais il est trop moche lui. Psycombat. Ah, Psycombat. Donc ce qui sera intéressant, c'est... Donc du type vol. Ou alors du type Baténabre, encore une fois. On va essayer d'envoyer... Je pense à Pigeon, je pense. Pigeon. J'ai juste peur que, je sais pas, dans le plus grand des hasards, il ait des attaques de type Roche. Ça me ferait trop mal, ça. Attention, je t'intimide. Fais gaffe. Je suis très intimidant, je suis là.
Bah on va faire rapace directement, on va pas perdre de temps, on va essayer de lui enlever le max de PV. Le max de PV. Elle attaque bien forte. Elle a encore jamais échoué cette attaque, je suis très content. Une chance sur 10 qu'elle échoue. Depuis que je lui ai appris, pas une seule fois elle a échoué. Et à chaque fois je le répète, elle peut échouer, elle n'échoue pas. C'est énorme. Par contre, tout ce que j'ai perdu, ça valait le coup. Bien joué Karchakrok, c'est bon ça. Girafarig. Girafarig, Pokémon de type ténèbres. Juste ténèbres. Rien d'autre. Psy. Je confonds. À cause de sa boule noire qu'il a dans le dos là, la moitié de son corps vu qu'elle est noire, je dis à chaque fois je pense que c'est ténèbres. Non, il est psy. Normal psy. Ah. Donc on devrait passer sur des attaques de type ténèbres du coup. Puisque spectre j'en ai pas. Et insecte j'en ai pas, hein, on est d'accord. Hein. Donc on va partir sur ténèbres. Lucario est mort. C'est qui a du ténèbres déjà? Toi t'as du ténèbres, c'est pas mal. Machouille. J'ai peur que tu te fasses défoncer, hein. Tu le sais ça. Close combat à 100% de précision. Ah bon? Je suis persuadé qu'il avait 90%. J'ai envie d'envoyer Karchakrok, mais je sens que c'est dangereux. Non, je vais renvoyer Volt. Comme ça, je peux faire un cage éclair, des trucs comme ça. Ça peut être bien. J'ai bien envie d'essayer avec un cage éclair dès le début. Et ensuite, spammer les machouilles. En espérant que la chance soit avec moi. Et que ça l'empêche un peu d'attaquer. Elle est trop belle cette attaque. Il fausse les dimensions. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ça? Ça fait quoi exactement cette attaque? Oh putain, mur lumière de mes couilles en stock. Oh non, pardon, je suis vulgaire. Donc là il a deux attaques, c'est pas des attaques. Enfin, il a deux attaques, elles font pas de dégâts en gros. Par contre le cage éclair, il n'existe pas. Le plus lent tape en premier. Ah d'accord. Mais le cage éclair n'existe pas. C'est ouf. Ça me rend fou ça. Intéressant cette attaque, les plus lents frappent en premier, ah ouais. Et ça reste que pour ce combat là. Ça veut dire le prochain Pokémon il sera pas compté quoi. Oh Alakazam. Ouf. Bon, ben on va rester sur du ténèbres et sur de la paralysie, hein. On va faire que ça. Hein. Ouais, on va faire que ça. Niveau 60 aussi. Bon, ça devrait le faire. Ok, j'attaque en premier, ça fait plaisir. Ça reste pendant 5 tours. Oh, ok, d'accord, très bien. Mais ça peut m'avantager si Alakazam est plus rapide que moi, alors. Hein. Ah, il fait quoi, là? Il prévoit une attaque. Donc, en fait, quoi que je fasse, ça lui fera pas mal, en gros. C'est ça? Donc, c'est là que j'aurais dû faire cage éclair, peut-être. Et là, il fait psycho. Donc, c'est lui qui attaque en premier. Il est trop fort. Pouvoir de l'amitié, tu connais. Donc j'utilise quand même Machouille en fait au final. Mais alors à quoi ça a servi l'attaque qu'il a fait là, qu'il prévoit l'attaque? C'était quoi le... À quoi ça a servi de faire ça? Il a perdu un tour, non? Les dimensions reviennent à la normale. Ok, Archéodong. Il est quoi lui? Il est acier juste? Il est pas spectre, il est juste acier je crois. Non? Il est quoi lui? Acipsy? Ok, Acipsy. Donc le combat ça n'ira pas. Le sol, ça peut le faire le sol. Et je pourrais faire que du sol contre lui. Donc je vais envoyer un Pokémon qui a une attaque de type sol. Et je n'en connais que deux. Shiny ou Karchakrok? Tunnel ou séisme? Ça aurait été bien que le truc les plus loin attaque en premier et soit encore actif. J'aurais envoyé Shiny. J'ai envie Karchakrok, je pense. J'ai envie d'essayer de voir ce qui s'est arrivé. Non, encore mieux. J'ai une meilleure idée. J'envoie personne. Et je le paralyse. Oui, je le paralyse, tout à fait. Et quand il me le tue, là, j'envoie Shiny. J'ai essayé de mourir en le paralysant. Ça serait bien que ça passe en première attaque. Et quand il m'aura tué, j'enverrai l'autre. Il sera plein d'XP.
Ah, il a lévitation, mais oui, donc les attaques de type sol ne lui feront absolument pas mal du tout. Vous avez complètement raison. Oh, c'est embêtant ça. Donc en fait, il n'a aucune faiblesse. Asipsi, à part le feu, mais le feu on n'en a pas. Donc le combat, le psy rééquilibre. Le sol, il est immunisé. Donc en fait, l'insecte, il est, ça rééquilibre. Le spectre à la limite, ou le ténèbre. Ah, il me reste que ténèbre en fait comme attaque intéressante. Donc on va envoyer Karchakrok. Parce que l'autre, il est paralysé, j'ose espérer. Aucun Pokémon n'a raté son attaque encore avec la paralysation. C'est assez un kiki, non? Ouais, allez, mâchouille. Mâchouille-moi ça, s'il te plaît. Toi, t'as qu'en premier, en plus, c'est bien. Ça fait pas si mal, hein. En même temps, il est niveau 63. Hein. Par contre, c'est bien, je lui baisse sa défense. C'est très très bon. Et la paralysie qui ne fait pas effet, mais c'est incroyable. Pff, les Pokémon qui... Ça, par contre, le fait que je reste à un PV, mais c'est tellement cheaté pour le coup. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis cheaté. Allez, paralysie. Non, il mange d'abord sa petite dé. Oh putain, c'est ouf. Pourquoi ça sert à rien, cage éclair, hein. Ouais, 13 niveaux d'écart, c'était assez fort, ouais. Bon. Ça commence à puer du cul tout ça. Ça commence à puer du cul. Je pense que je vais faire close combat, même si ça sera juste efficace tout court. Bah, c'est mon attaque la plus forte de tous mes Pokémon en fait. Je vais le tenter. En espérant qu'il n'utilise pas guérison, parce qu'il lui en reste un, je crois, encore. En plus, je l'intimide. Donc je lui baisse son attaque, sachant que je lui ai déjà baissé sa défense. Plus qu'à espérer qu'il soit paralysé, je sais pas moi. Ah bon, ça le one shot, c'est parfait. C'est parfait, bon c'est cool. Je pensais pas que ça allait forcément win. Ok. Yes, pigeon niveau 61, c'est bon ça. Oh, il est battu. Je crois qu'il avait encore un Pokémon, parfait. Je vois tes précédentes victoires n'avaient rien d'un coup de chance, ta force est réelle. Réelle is réelle. Toutes mes félicitations, tu as battu le conseil K, cependant cela ne veut pas dire que tu en as fini avec la ligue Pokémon. Il te reste à affronter le maître. Mais laisse-moi te prévenir, le maître est bien plus puissant que les membres du conseil 4. Va, fougueuse dresseuse, la route vers la victoire est devant toi. Et merci la zone, ça fait plaisir, alors on va tout remettre bien là. Alors mes petits rappels là, tu sais, tu connais. Hop, rappel 1. Ouais, j'ai quand même pas mal de Pokémon morts. Dommage parce qu'ils ils XP pas du coup mes Pokémon morts. Allez. Tes super potions. Tiens, une pour toi. Une pour toi. Une pour toi. Une pour toi. Et enfin... Une pour toi, même c'est quoi deux pour toi. Parce que t'es vraiment sympa. Et ensuite les petites potions que j'en ai presque plus, tiens. Hop, parfait. Hop, parfait. Ça remet combien? Ça remet 20. Allez, tiens, c'est pour toi. Allez, c'est encore pour toi. Ça remet que 20. Je vais utiliser une super potion pour lui. Et paf. Ok, allons voir un petit peu les PP maintenant. Restaure 10 PP de toutes les capacités. Ah, j'ai utilisé mon truc. Oh, j'ai plus que ça. Restaure toutes les PP de toutes les capacités d'un Pokémon. Restaure 10 PP de toutes les capacités d'un Pokémon. Merde, il faut que j'aille regarder les PP de chacun de mes Pokémon individuellement maintenant. Ça, c'est chiant, ça. Bon, non, lui c'est bon. Ah, il y a peut-être Blizzard, ok. Donc lui c'est bon. Lui faudra lui en mettre un petit peu. Donc Karchakrok, puis... Putain, lui il a utilisé qu'une seule fois Close Combat, ok. Bon, en priorité, toi. Toi, puis Karchakrok, puis Blizzy, et Pigeon, et on finit par... Non, on finit par Blizzy. Tuxi, Karchakrok, Pigeon, puis Blizzy. Si j'en ai assez, évidemment.
Ah mais je choisis. Oh, putain, j'ai rien compris. Mais je suis con quoi là. C'est pas possible. Je suis teubé. Alors on recommence. Bon bah du coup, on a qu'à faire ça directement. Donc on a dit ensuite Kershak Rock. Bon, lui on mettra un truc qui augmente tout. Toi on va t'augmenter juste... Ouais, toi aussi on va te mettre un truc qui augmente tout. Toi on va t'augmenter que ça. On va utiliser Elixir. Restaure 10 PP de toutes tes capacités dans Pokémon, c'est ça que je veux. Donc sur... Pigeon et Kershak Rock. Et je pense qu'on est bon. On est plutôt bon là. Je confronte toujours les boutons pour sauvegarder. Merci beaucoup à Syntax R qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Merci à Romain 33366 qui a resub pour ses 10 mois. Merci beaucoup du soutien et de la fidélité. Et merci beaucoup à Rose Saphir 5, 6 et 7 qui arrive pour ces 13 mois. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien toi aussi. Merci, c'est gentil. Ouh, la cinématique qui fait plaisir. Oh, la musique de ouf! Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci pour ce que tu as fait au Mont Couronné. Mais quoi? En fait, c'est Cynthia la maître. Mais quoi? Mais je lui attendais pas. Je le savais pas, c'est un truc de fou ça. Tes Pokémon et toi? Oh mais j'ai pas réfléchi à quel Pokémon je vais être en premier, merde. Elle a des Pokémon type dragon et acier, elle. Ah j'ai merdé. Bon mais tant pis, on verra bien. Tes Pokémon et toi avaient surmonté tant d'épreuves ensemble. Vous n'avez cessé de vous surpasser. C'est waouh, le RTX dans le sol, incroyable. Ces épreuves vous ont permis d'acculer une force impressionnante, je le sens. Mais assez parlé, passons aux choses sérieuses. Moi, maître de la ligue Pokémon, j'accepte ton défi. Donc j'ai bien fait de sauvegarder avant, hein, parce que là... Let's go! Putain, l'OST de folie. Spiritomb. Ok. Très stylé ce Pokémon. Bon, spectre, spectre, full spectre et un peu ténèbre. Ou juste spectre. Hein. Quoi, c'est Volt qui est en premier en plus? Quoique c'est pas plus mal au final parce que je vais pouvoir faire Machouille. Hein. J'ai envie de faire Cage Éclair mais je me dis ça sert absolument à rien en fait. Allez, j'y crois Cage Éclair moi. Spectre plus Ténèbres, bon c'est pas mal ça. Mais du coup ça me rendra pas aussi fort que ça mon attaque de type Ténèbres. Et il arrive quand même à attaquer mais c'est génial. Ah mais je suis ravi. Et les attaques électriques, ça fait mal un peu ou pas? Non, ça fait rien au ténèbre, ça fait rien au spectre. Bon, je vais essayer Machouille. Quoique, attends. Oui, c'est mon attaque la plus forte. Après, il y a le stab de ça, de l'étincelle. Peut aussi paralyser. Ouais, non, c'est bon. Peut baisser la défense. Ça, par contre, c'est intéressant. Si ça arrive à baisser la défense, véritablement. On ne sait pas combien il lui reste. On ne sait pas combien il lui reste de vie du tout. À cause de la notif. Ça ne lui a rien enlevé du tout. Oh, je vais me faire défoncer. Guérison? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a bugué? Oh là là. Mais putain, la paralysie, elle marche pas! Mais quoi? Mais c'est genre le bâtiment entier. T'es trop fort, Volt. Toi, t'es le meilleur, Volt. Le bâtiment entier du conseil 4, ça empêche au Pokémon d'être paralysé? Ou ça se passe comment en fait? C'est super relou en fait. Arrêtez s'il vous plaît. Quand même. Je refais une attaque. Ah, ok. Tritosaur. Pokémon plante. Ah non. Sol, juste sol. Ou il a autre chose comme type. Ah oui, du coup mon attaque éclair, elle me l'a démonté. Oh, tiens, j'éclaire et après je meurs. Je suis con! Ah! Ah! Ah, l'aide! Je suis teubé! Non! Je suis trop con! C'est pas possible d'être aussi con! Mais quel con! Bon, on va dire que c'était fait exprès. Alors, donc il est type eau et sol. Ça, c'est en kiki, non? Eau et sol.
qui fera mal au type eau et sol, c'est le type plante. Mon petit shiny. Ouais, on est là. Hein, mon petit shiny 2022 là, niveau 50, qui va se battre contre un niveau 61. Let's go. Allez, hein. Allez, et en plus j'envoie la grêle, ce qui va bien kikiner mes Pokémon d'après. Yes. On est là. On est là. Donc là je vais me faire, je vais prendre un contre-coup de folie. Voilà, je perds un tiers de ma vie. Oh, ton broche. Oh là là. Oh là là, j'ai... Oh là là. Ça me baisse quoi, ça? Mon attaque? Ma vitesse? Oh non. Oh, ça serait trop triste si j'arrive pas à attaquer en premier. Parce que là, si je refais l'attaque, il meurt. Hein. Il meurt et il XP de ouf, en plus de ça. Et il évolue. Dans une évolution qui n'existe pas encore, mais il évolue en troisième Pokémon. Ok, yes. J'attaque une nouvelle fois et je me tue à la fois, je pense. C'est super efficace. Je pense que je meurs. Hein. Non, ça va. Heureusement qu'il se fait pas toucher par la grêle. Yes, Lucario monte de niveau, il va aller au combat, je pense. Roserad. Ah, Pokémon de type plante. Je pourrais envoyer une petite attaque glace, moi. Glace, le feu, on en a pas. Le poison, on en a pas. Le vol, après. On peut envoyer une attaque de type glace. En plus, il va se prendre la grêle. Et mon pigeon arrive ensuite. Sauf qu'il va se prendre la grêle, lui aussi. Vas-y, on va le garder. En plus, Blizzard, ça va faire super mal. Sauf qu'il attaque... Il attaque en premier. Let's go. J'avais pas pris ça en compte. Ça fait plaisir. Alors, bien. Bien, bien, bien. Aïe. Coup dur. Coup dur pour Farod. Mon pigeon qui va se manger des... Ouais, mes attaques de type vol lui feront très très mal. Je vais tenter un rapace, quitte à prendre des dégâts. Putain, il attaque en premier ce con en plus. Waouh. Ouais, j'ai bien fait de mettre rapace direct. On réfléchit pas. C'est ça qu'on veut voir. Merci Enoz Back, qui a sub en prime pour la première fois de toute sa vie. Est-ce que tu vas mourir du blizzard, enfin de la grêle par hasard? La réponse est oui. Je suis ravi. Trop bien. Et du coup, je ne sais pas qui va envoyer. Oh non. Pokémon a mental à toute épreuve. Augmente l'esquive. Augmente la puissance de sa capacité de type haut du Pokémon quand il a perdu une certaine quantité de PV. Donc bah, j'ai pas de Pokémon qui fait un talent particulier sur le terrain. Qui c'est qui va envoyer? S'il me renvoie Spiritomb... faut que je l'accueille avec avec ma chouille. Ou alors je... Ah non, mais dans tous les cas, je crois que je pourrais changer de Pokémon en fait si je veux. Je crois. Donc je peux pas changer de Pokémon, mais j'ai bien envoyé celui que je voulais. Ok, mais par contre, c'est pas pour autant que je vais le one shot en fait. Attends, on avait dit quoi avec ma chouille? Ah oui, ça lui faisait pas tant mal que ça puisqu'il était lui-même de type ténèbre. Et voilà, les attaques type dragon font pas plus mal que ça. Non. Le sol non plus. Non. Bah, ma chouille, hein. Paralysie, peut-être. Est-ce que ça va marcher? Oh, le coup critique, il a tellement pas fait mal. Oh là là, c'est une catastrophe. Oh là là, il va me tuer. Oh non. Ah. La grêle s'arrête. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, je vais utiliser Karchakrok parce que de toute façon il fera jamais assez mal. Comme un tank. Et je vais utiliser mon premier rappel max. Rappel max, on va l'utiliser sur qui là? Sur le pigeon ou sur Volt? Je mise plus sur Volt. Adieu, Karchakrok.
et merci pour tout ce que tu as fait. Mais le truc, c'est que Volt, il faisait pas si mal que ça en vrai. Spectre et Ténèbres, il me met super mal. J'ai peut-être envie d'envoyer Tuxi et juste faire des attaques super fortes. Genre Laser Glass pour essayer. Ah non, vu qu'il est déjà paralysé, il peut pas être gelé. Par contre, je peux envoyer Surf qui fera. Ah, Saumur! Oula, on peut tenter un truc avec Saumur vu qu'il est à la moitié de ses PV. Ah, il est pas du tout à la moitié de ses PV. Génial! Je suis pas du tout. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Ne me tue pas, s'il te plaît. Ça, oh, ça va. Ça va aller. Et là, Saumur, même si elle fait moins mal, il a la moitié de ses PV. C'est ça qu'on veut voir. Et la paralysie qui a trop bien fonctionné dans ma strat, en fait, ou quoi, là? Yes, yes, yes. Allez, paf, niveau 22, ça sera utile pour après, ça. Tu verras. Bon, combien de Pokémon il te reste? Lucario! Que tu peux aussi appeler Lucario si tu veux. Donc Pokémon combat métal. Combat acier. Putain, je suis chiant à dire métal au lieu de acier. Combat acier. Donc le vol, c'est équilibré. Le psy, c'est équilibré. Et le fée, c'est équilibré. C'est incroyable. Il n'a pas de défense. Enfin, il a rien qui lui fasse, qui lui fera mal. Sauf le feu. Je n'ai pas de feu. Acier, combat, c'est là. Ah non, attends. T'as aussi le combat qui peut lui faire mal. Et t'as aussi le sol. On va envoyer donc du combat. Ouais, j'ai plus que la moitié de mes Pokémon. Aïe. Ça fait mal ça quand même. Je vais envoyer Lucario et je vais l'utiliser comme tank pour réveiller Pigeon qui lui a des attaques combat assez fortes. Et voilà. Lucario contre Lucario. C'est pas le même. Pas le même level. Hein. 50, 63, ça commence à faire mal. Hein. Pigeon, reviens parmi nous, s'il te plaît. Oh, Rasphère, c'est mon attaque. Qui va me faire très très mal, je pense. C'est génial. C'est incroyable. Eh bien, écoute, c'est très bien. Tu es vraiment très puissant. Eh bien, tu vas continuer à encaisser, mon grand. Parce que moi je vais utiliser une hyper potion maintenant sur Tuxi pour le remettre à full. Et comme ça j'ai mes 3 Pokémon à fond. Il est très reconnaissant. Merci Lucario pour tes loyaux services. Merci beaucoup mon grand. T'as géré. Donc, ma strat serait d'envoyer Pigeon. J'espère que... En plus, je vais lui baisser son attaque avec intimidation. J'espère que ma strat est bonne. Ah, ça, d'accord. Donc, ça ne baisse pas, en fait. D'accord, ça n'a pas marché, j'ai l'impression. En espérant avoir assez de vitesse. Et je n'ai pas assez de vitesse. Oh, putain. Oh, merde. Oh, le one-shot, mon gars. Waouh. Énorme. Ouais, je crois que je lui ai fait très mal. Par contre, moi, ça me baisse ma défense. Hein. Ma défense et ma défense spéciale. Donc, le prochain Pokémon, il va me l'exploser. Cynthia envoie un Milobelus. Putain, mais tu restes encore comme. Ah, elle doit avoir 6 Pokémon. Seulement type O Milobelus, on est d'accord. Il n'y a pas de sol ou quoi. C'est juste full O. Rassurez-moi. On va changer de Pokémon. On va envoyer Volt. C'est eau pure, hein. Rien d'autre. Seulement eau. Il n'a pas un talent, Milobelus, qui lui empêche d'être touché par les attaques électriques ou des conneries comme ça, des fois. Hein. J'ai envie de tenter KG Clair, mais putain, vas-y, ça sert à rien à chaque fois, là. Il est tellement stylé, ce Pokémon. Eh ben, vas-y. Jusqu'au bout, je tiens ma logique. J'envoie KG Clair. Je veux que ça marche. Au moins une fois. Ça me sauve la vie au moins une fois, je pense. Ébullition, ça ne marche pas. Oh. Ébullition, ça peut me brûler, ça. Attention.
On va attaquer avec Étincelle. Heureusement que j'attaque en premier. Oh putain. Pourquoi ça fait aussi peu mal? Et pourquoi il continue à attaquer alors qu'il est paralysé? Ça me rend fou ça. Je te jure, ça me rend fou. Les problèmes. Les gros problèmes. Parce que j'ai que l'électricité qui peut lui faire du mal. C'est fou, on a qu'un seul niveau de différence et je lui fais si peu mal. J'hésite à faire changer clair pour envoyer Tuxi pour qu'il tank pendant que je remets de la vie à Volt et que je le renvoie dans la foulée peut-être si Tuxi meurt. Mais je vais en chier parce qu'il lui reste encore un autre Pokémon après. Ça pue hein. Ça pue là ce qui se passe. J'hésite à même faire revivre mon Blizzaroi pour son attaque type plante qui est trop forte. Mais j'ai peur qu'il attaquera jamais en premier en fait. Va falloir que tu tankes. Il envoie des attaques de type eau, tu es de type eau, il faut que tu tankes mon grand. Il faut que tu tankes. C'est bien, c'est ce que je voulais voir. C'est très bien ça. C'est très très bien. Mon grand, tu vas tanker pendant un petit moment là, je te le dis. On va déjà remettre potion max tout le monde en fait. Potion max sur Volt. Parce que oui, Volt, il ressortira cage éclair sur le prochain Pokémon. Putain, mais ça ne marche pas la paralysie, ça me rend fou. C'est incroyable. Et voilà, je suis brûlé, ça c'était sûr. Bon, ça va pas me faire trop mal. Ah si, quand même un peu. Mais en fait, quand tu vas me regarder quoi faire, parce que pour l'instant, tu vas rien faire. Je vais juste soigner les Pokémon petit à petit. Ah, tu utilises soin toi aussi, bah, c'est très bien, cool. On va ramener à la vie d'autres Pokémon. J'ai besoin d'avoir des mini tanks pour redonner de la vie à d'autres Pokémon plus tard. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer avec Blizzaroi. Et si je peux continuer à en faire, je vais essayer de reçoiver toute mon équipe tour à tour en fait. En espérant juste qu'ils ne me mettent pas un coup critique. Ça c'est ma crainte. Je vais lui mettre une guérison. Tous les PV soignent. Voilà, ça c'est parfait. Guérison sur Tuxi. Comme ça il va pouvoir continuer à me faire ébullition depuis le début et je perds ma brûlure. J'ai failli attendre un tour de plus, mais j'ai peur que ça me tue la prochaine attaque. Surtout s'il fait un coup critique ou une connerie comme ça. Yes, la paralysie marche. Enfin, let's go. Trop bien. Une attaque de type eau sur Blizzaroi, s'il faut, ça le tuera peut-être pas, vu qu'il est de type plante et glace. Et il résiste avec la plante contre l'eau, et il résiste avec la glace. Ah non, il résiste pas contre l'eau avec la glace, autant pour moi, non. Je vais continuer à soigner tout le monde. Je pense que c'est important. L'un des Pokémon me servira de tank à un moment donné pour redonner de la vie à Volt, à Pigeon ou à Tuxi, je pense. Mais lui, il s'est rappelé qu'il était paralysé, c'est clair. Allez, rappelle encore une fois. Karchak Rock. Merci beaucoup Aurélien 92600 qui a sub en tier 1 pour la première fois de toute sa vie. C'est pas très efficace, mais ça m'a quand même enlevé pas mal de vie là pour le coup. Merci beaucoup pour le sub. Merci à. Non, je l'avais lu après, c'est bon, je suis à jour. On va redonner encore de la vie. Avec des hyper potions, on réfléchit même plus. À Rioulé. Yes, ça fait plaisir ça. Ok, je suis toujours à un peu plus de la moitié de ma vie, donc c'est bon pour moi. J'ai limite envie de l'utiliser sur moi. Non, Karchak Rock, allez. Tant pis si je meurs, c'est pas grave. Faites que ça ne me tue pas, s'il vous plaît. Oh, c'est bon, ça va. Ça va, donc je refais une guérison, et là le combat recommencera. Ah, j'en ai plus des guérisons. Ah si, j'en ai 15 encore. Ça va, tout va bien, ne stressez pas. Tout se passe bien. Bon, ça c'est bien.
Bon. Donc je vais essayer d'envoyer Blizzard One, mais le truc c'est que dès que je vais l'envoyer, il va se prendre la première attaque et il va prendre cher. Donc j'ai envie de faire mourir Tuxi à coup critique. J'ai envie de voir ce qui se passe. Non, ce qui se passe. L'eau contre l'eau, ça fait rien. La glace contre l'eau, ça fait encore. Ça fait pas grand chose non plus. Et l'acier contre l'eau, non, ça résiste. Vas-y, je regarde ce que ça fait. Surf, juste pour voir. Moi aussi, je peux faire des attaques de type eau contre un type eau. Ah, ça fait pas grand chose. J'essaie la glace après avec un peu de chance. Ah non, je pourrais pas le geler. Au moins, à chaque fois que je l'attaquerai, je vais récupérer des PV. Et je vais attendre qu'il me tue petit à petit. J'espère qu'il va pas. Et avec un peu de chance, il lui reste une guérison à Cynthia. Ça va être très long. Il lui reste une guérison et elle va l'utiliser. Comme ça, elle l'utilisera pas sur son dernier Pokémon. Donc c'est mieux de faire surf en fait, autant pour moi. Ouais, ça va être un peu long là, on en a pour quelques minutes je pense. Non mais dès qu'elle me l'a tué, j'envoie Blizzard War et on voit ce qui se passe, t'inquiète. En plus c'est bien, je récupère des PV à chaque fois avec mon Grelococ, c'est cool. Faut juste pas qu'elle fasse de coups critiques. Hein. Et elle m'a toujours pas brûlé j'ai l'impression. Je pense que sa prochaine attaque risque de me tuer. Saumur c'est quand on est à plus de la moitié des PV. Là voilà, ça serait maintenant Saumur à faire, ça serait bien. Mais je pense que... Ah, je récupère des PV. Peut-être si elle fait pas critique, je crois. Ah, ok, d'accord. Je pensais pas que t'avais d'autres attaques que ça. Je lui ai peut-être bousillé toutes ses attaques depuis tout à l'heure. Elle a plus de PP. Oh, imagine, elle a plus de PP sur ébullition. Hey. Elle a plus de PP sur ébullition, c'est pas mal ça. Je lui ai tout bousillé. Alors j'ai pas switch avec Blizzard War jusqu'à maintenant parce qu'il a genre 15 levels de moins. Une seule attaque va le démonter. Donc s'il doit en encaisser une, essayer d'attaquer et encaisser d'abord la deuxième parce qu'il est trop lent, il meurt de suite et c'est totalement stupide en fait. Alors que là... Qu'est-ce que c'est? Oh, j'agis plus vite que l'autre, let's go! Oh, ça fait pas si mal que ça! Oh purée! Non! Il a soin ce Pokémon de ses morts, j'avais oublié! Oh non, il faut que je lui bousille ses soins. Combien t'as de soins en tout? T'en as 5, je crois? T'as que 5 soins, non? Elle en a déjà utilisé 2, hein, pour l'instant. Il en reste 3. Faut que je lui bousille ses soins. Oh, laser glace! Oh oh! Waouh! Après, je suis un Pokémon type glace, ça devrait le faire. Hein. J'ai envie de faire une strat. Et j'ai envie d'envoyer Racine pour récupérer des PV à chaque tour. Mais elle va me tuer là. Donc faudrait peut-être que... Vas-y, j'essaye une potion. Une hyper potion, vite fait. En espérant qu'elle me fasse pas de coups critiques ou quoi. Ah, soin, ça a 10 PP. Ah, je croyais que ça en avait que 5. Mince. Parfait, il est paralysé. Mon plan fonctionne. Et il se prend la grêle. J'envoie Racine. Et après, je ferai que des attaques marteau, la truc. Hop là, comme ça, chaque fois que tu m'as attaqué, je récupérerai un peu de PV. Et toi, tu vas continuer à manger ma grêle. Ouais, il faudrait un coup critique en vrai. Il faudrait un énorme coup critique sur le marteau, ça serait parfait là. Et genre qu'il soit paralysé pour pas qu'il puisse réutiliser soin et que je fasse deux marteaux dans la foulée. Donc là j'attends... l'objet est trop fort. J'attaque en priorité, c'est trop fort ça. Allez putain, faut que ça passe. Faut qu'il soit paralysé. Faut qu'il soit paralysé. Ah putain. Ah putain, ça passe pas. Ça passe pas. Non. Non. La grêle s'est arrêtée. Non. Ça m'aidait trop la grêle. Ah, je récupère pas tant de PV que ça en plus. Hein. La grêle ça m'aidait tellement bien. Et je vais plus avoir de PP pour cette attaque d'ailleurs. Bon, ça fait 4 fois qu'elle utilise soin. Ça va être long à force. Hein. Cynthia, tu commences à m'enquiquiner. Hein. Est-ce que Blizzard peut geler?
J'ai ah non, t'es toujours paralysé dans tous les cas, c'est vrai. Donc je peux pas le faire. Ah non, il y a encore marteau bois, il en a pas mal. Dommage que cette attaque elle devienne pas plus forte à chaque fois. Allez, au revoir Blizzaroi, c'était sympa. Mais la strat n'a pas fonctionné. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Laser glace, ça va me défoncer pigeon, c'est certain, je peux pas le faire. Volt, donc électrique, non, la glace, ça lui fera pas mal. Ça lui fera pas mal. Son attaque de type eau, mais je crois qu'elle en a plus. Donc je vais envoyer lui, parce qu'il tank. Et parce qu'il fait des attaques électriques et c'est efficace contre l'attaque de... Enfin, le Pokémon de type eau. Pourquoi je réfléchis en fait depuis tout à l'heure? Je suis con. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, il aurait fallu métronome sur Blizzaroi, mais ça, je pouvais pas le savoir à l'avance. Putain, je fais moins mal que l'attaque plante de tout à l'heure, tu te rends compte? Ah putain, j'en peux plus. Soin, ça fait 5 fois qu'elle utilise, elle a que ça comme attaque. Yet, la paralysie. Merci le fantôme qui arrive sub pour son 8ème mois. Bonne chance, Farod contre Cynthia, merci beaucoup. Oh mon dieu, c'est tellement chiant. On est à 6. 6 utilisations de soins. On va devoir tous faire passer tous les soins. On est obligé d'attendre qu'elle utilise tous ses soins pour la tuer. Ah, il lui restait de l'ébullition, en fait. Ouh, tu cachais bien ton jeu. Ça, c'est bien un coup critique. Ah, prochaine. Ouais. Prochain coup, je meurs, sauf si mon Pokémon m'aime trop. Ah, mais non, il y aura la brûlure qui le tuera dans tous les cas. Je vais utiliser une guérison. Je vais utiliser une guérison et je me tâte même à tanker pour réanimer Tuxie un petit peu. Parce que je vais en avoir besoin pour le prochain combat. Laser glace? Oh, c'est pas très fort. À moins que tu cherches à me geler, peut-être. Hein. Vas-y, tank un petit peu, mon grand. Après, j'aurais pu utiliser un autre Pokémon pour tanker. Genre Lucario. Ah oh, putain, ça me rebrûle, c'est agaçant. Bon, ben, re-guérison alors. Guérison, si jamais elle est paralysée, j'attaque dans la foulée. Yes, ok, j'attaque dans la foulée. Allez. Il faudrait que la paralysie marche 3 fois d'affilée pour qu'elle puisse pas utiliser soin. Ah mon dieu. Ça fait 7. Ça fait 7. Oh putain. Oh putain. Oh putain, on joue vraiment à l'usure là. Putain. En plus, la paralysie fait qu'elle se soigne encore moins. Et du coup, on perd du temps. Allez, et moi, je vais plus avoir de PP à forcer dans mon attaque. J'ai pas anticipé ça, que pendant le même combat, j'allais perdre des PP. Ça fait 8 soins. S'il vous plaît, Milobelius, s'il vous plaît, Cynthia, à un moment donné, il serait peut-être temps de, je sais pas, de lâcher prise et d'accepter la défaite, je sais pas. Je sais que tu vas mourir. Oh, vois le miroir qui échoue, ça fait plaisir, ça. Donc, je réattaque électrique. Donc, elle va utiliser son 9ème soin. Voilà, 9ème soin, on est là. T'as pas des baies mépo? Ah, des baies, si, j'en ai, tu as raison. Je crois même que je vais devoir l'utiliser maintenant. Ah non, il m'en reste encore 3, ça va. Un petit coup critique. Ça aurait pu être pas mal, là. Laser glace, mais c'est pas ta plus forte. Tu me fais plus mal avec... Ébouille, machin, truc, là. Mais du coup, tu vas... Logiquement, tu utilises soin maintenant. Ok. Donc, c'est son dernier, on est d'accord. Hein. Elle est à 10, si j'ai bien compté. Rassurez-moi.
Elle est à 10. Moi, je vais prendre une potion parce que sinon, je vais avoir mal là. Au prochain coup, elle me tue. Bonsoir, Maryse. Tu t'es raté tout à l'heure. Tu es apparu pendant un combat. Donc, elle n'a plus soin. Et elle va bientôt plus avoir de laser glace aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Putain, le coup critique, il fait chier là. Bon, va falloir que je me mette des PP sur l'attaque, étincelle. Et que je me remette de la vie. Ça va être un long combat, ça. Merci pour les 200 bits, Lilou Kitsune. Bonne nuit, merci beaucoup. Merci à Axouls, qui a réussi pour ses 2 mois. Le premier m'avait été offert, je continue la chaîne. Bah ça, c'est super gentil de ta part, merci beaucoup Axoul. Ouais. Allez. Donc tu m'as dit que c'était une B quoi qu'il fallait... Une Pokéball, j'en vois. Une B comment ? 10 PV, je cherche des PP. Ah, restaure 10 PP lorsqu'elle est tenue. Je peux pas l'utiliser des fois. Si je peux, c'est formidable. J'adore ce monde, j'adore Pokémon. Il a soin, laser glace, ébullition et voile miroir du coup. Là, j'aurais bien aimé qu'il fasse voile miroir pour le coup, tu vois. Voilà, on va se remettre une hyper potion encore une fois. Et on va attaquer petit à petit. On va faire ça, étincelle, hyper potion, etc, etc. Ça va être très long, mais on va finir par y arriver petit à petit. Voilà, voile miroir qui a échoué parce que j'ai fait une potion. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est trop bien. Allez, on y croit, il faut que les coups critiques sortent maintenant, que la paralysie, elle sort maintenant. Si on veut que ça aille le plus vite possible. Voilà, ça échoue, ça régale, c'est trop bien. Et là, c'est parti, elle peut plus se soigner. À moins que Cynthia ait une guérison, t'imagines. Ah, tu régales avec tes voiles miroirs. Oui, continue à faire ça, c'est trop bien. Continue, s'il te plaît. Ah, t'imagines, elle a max élixir. Elle lui redonne tous ses soins. C'est fini, là. Ah, putain. Il a pu paralyser mes couilles. Non. On est marre. Ah. Putain, c'est pas vrai. Je peux plus la paralyser. Elle est brûlée. Mais non. Elle fait que voile miroir, elle a plus laser glace. Elle a plus d'ébullition, elle a plus rien. Elle a plus d'attaque. Elle a plus rien. Elle ne fait que voile miroir parce qu'elle a plus d'attaque. Mais c'est formidable. Oh, c'est génial. Oh putain. Wouh. Oh, je l'ai eu à l'usure, j'hallucine. Trop bien. Trop bien. Oh putain, trop bien. Karchakrok. Donc Karchakrok, Pokémon de type dragon et sol. Waouh, dragon et sol. Alors pour ce faire, ce qui lui fait mal, donc il y a le combat qui lui fera mal. Et le fait. Donc il n'y a que le type combat qui lui fait mal, je crois. Attends. Et le sol. Non, il n'y a pas que ça. Ah si, il n'y a peut-être que ça en fait. Ah non, il y a la glace. Oh, la glace, ça fait doublement mal. Ah, j'avais pas vu. Oh, mais la glace, c'est cheaté. Ah, c'est trop bien la glace. Bon. Eh bien, moi, je vais garder lui pour faire mon cage éclair de ouf. Ça faisait une éternité que je n'avais pas été retrouvé en si mauvaise posture. Tu m'étonnes. Et je vais t'enlever tous les PP de toutes tes attaques, t'inquiète pas. Donc en espérant que j'attaque en premier. Non ! Cage éclair, ça ne le touchera pas, je suis con, les deux types sol. Ah ! Ah ! J'ai envie de mourir, je suis trop con, ça fait 2 fois que je fais cette erreur. J'en ai trop marre. JPP. C'est trop chiant. À la vie, c'est trop chiant. Ah putain ! Oh, j'en ai marre. Attends, de type sol. En espérant qu'il fasse un séisme. Et je vais augmenter la vie de Tuxi en fait. Je vais soigner Tuxi avant de le lancer au combat. En espérant qu'il tanque un petit peu lui. Et en plus je lui baisse sa défense pour le reste du combat. La strat est là, monsieur. Oui monsieur, la strat est là. Et à 2 doigts de réanimer Blizzard Roy juste pour l'envoyer et faire des. Et pour faire Grêle en fait. Grêle c'est le feu. Dans Slam ça augmente l'attaque, ça va faire trop mal. Aïe aïe aïe, augmente beaucoup, il y avait écrit, ça me fait trop peur ça.
Vas-y, je le tente. Je vais faire revivre mon petit shiny là. Juste pour qu'il envoie Grêle à la fin du combat. Il envoie Grêle pendant que je réanimerai quelqu'un. Il refait dans Slam. Elle va me faire buter, adieu. Au revoir. C'était trop bien de vous connaître. Salut. J'ai quand même envie d'essayer d'attaquer une fois au moins. Pour lui enlever un petit peu des dégâts, tu vois. Blesse gravement, baisse ma défense. Mais de toute façon, il va m'attaquer, il va m'exploser. Donc vaut mieux que j'attaque directement un truc qui... Voilà. Oh, j'évite son attaque avec mes encouragements. Oh, let's go. Let's go. Parfait. Oh, la peau dure, elle me fait des dégâts. Oh non, c'est chiant ça. T'arriverais à placer Rapace des fois? Vu qu'il y a le stab que j'avais oublié d'utiliser. Oups. Tu peux placer Rapace ou... Bon bah adieu, adieu. Adieu pigeon. Oh, il s'est fait démonter, le pauvre. Il a trop mal. Ah, j'ai mal. Je suis un pigeon, il est super mal. Bon. C'est cool, cool, cool. Je vais envoyer lui, juste pour remettre de la vie à Shiny 2022. Et si j'ai de la chance, donner un rappel à Pigeon. Où sont mes hyper potions, là? Séisme. Adieu, Lucario, les... Oh, il a tenu le coup. Il est trop fort. Il est trop fort. Le meilleur. Je veux rien savoir. C'est tellement cheaté, ce truc. C'est tellement ridicule. C'est ouf. C'est dommage qu'on puisse pas le désactiver. Enfin, moi, ça m'arrange, là. Mais il y a des gens qui doivent tellement péter un câble à cause de ça. Imagine, il me loupe. Ah non, séisme, ça loupe pas, en général. Tu vas faire quoi après la ligue? Eh ben, je deviendrai le nouveau maître Pokémon de la région et j'exploserai tous ceux qui viendront me voir. Puis voilà quoi. Allez, non, je le garde pour plus tard. Tuxi, t'as un petit laser glace qui va faire plaisir là. Tu le sens, hein. En espérant que j'attaque en premier et qu'il me défonce pas trop vite. Aïe, les problèmes. Quoi? Pardon? Pardon? Quoi? Mais enfin, pardon? Mais j'ai très mal. Bon, je vais envoyer ça, ça lui fera des petits dégâts de temps en temps. Mais waouh! Il faut que j'arrive à le geler. Ah, oh putain, faut que j'arrive à le geler. Bizarre ça, ça peut... Ça peut geler. Ah putain, précision 70%. Oh non. Et puis, de toute façon, j'attaquerai pas en premier, je crois. Oh, il va me démonter, en fait. Il va me démonter. Ah, direct toxique. Ah, il m'a démonté. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah. Non. Je vais le tuer avec la grêle, mon gars. Je vais tenir rien qu'avec la grêle. Oh putain. Mais comment je vais faire? Mais c'est foutu. Oh, je sais pas quoi. Bah, je vais faire des rappels et plein de rappels et je peux faire que ça et je vais attendre que la grêle fasse effet. Oh putain. Oh Dieu. Bon, ben, on va rappeler tout ça. Il n'y en a pas un qui peut tenir à peine plus qu'un autre là. Genre Volt, tu pourrais pas tanker plus que Tuxi des fois. Et son attaque là, elle pourrait pas baisser un peu là au bout d'un moment, au bout de certains tours. Genre dans Slam, ça fait plus effet, je sais pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, il faut que je joue. Faut que je joue avec la grêle, j'hallucine que je suis en train de faire ça. Oh putain de merde. Je vais crever. Ah putain, j'aurais dû acheter. Non, non, les rappels max, ça s'achète pas, c'est vrai. Mais je vais crever, bonjour. J'ai que 16 rappels. Ça pue. Ça pue. Oh putain. Après, je joue aussi les pépés, hein.
Jusqu'à qui. Oh oui. Oh oui, Volt, t'es le meilleur. Je joue les PP, mon gars. Ah oui, mais il prend la grêle, ce con, il va mourir, Volt. Ah ben non. Ah ben. Ah merde. J'avais oublié ça. C'est trop con. Putain, ça fait chier. Ah, je lui baisse sa défense, il prendra plus de dégâts avec la grêle. Tu le sais. Il faut que je lui vide ses pépés petit à petit. C'est la seule strat qui me reste à faire et je joue avec la grêle. Je veux faire que ça, c'est trop laid. Non, laisse-moi tranquille. Oh non, j'ai trop mal. Je sais plus quoi faire. Oui. On a fait la moitié de sa vie, les gars. On continue, on lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. La grêle s'est arrêtée ou pas? La grêle s'est pas arrêtée. Tant qu'elle s'est pas arrêtée, on continue. On n'envoie pas Shiny tout de suite. Mais j'y arriverai pas, en fait. C'est pas encore fini. Oh oui, je me doute bien. S'il avait de la vitesse, j'aurais fait Saumur, là, mec. T'imagines, Saumur, ça passe? Ça aurait été ouf. J'espère qu'elle a pas d'autres guérisons en vrai. Sinon j'ai pété un câble. Sinon j'ai perdu. Si elle a d'autres guérisons, c'est fini. Non, en vrai, je pense qu'elle en a que deux. Elle les a utilisées les deux. La grêle s'est arrêtée. C'est le meilleur moment pour envoyer notre copain Shiny 2022. Et c'est reparti pour un petit coup de grêle. Let's go. On est là. Donc on va faire un petit rappel, j'en ai encore 13, ça peut passer, hein. Ça peut peut-être passer. Bah, pigeon, hein. Elle a 4 guérisons, Cynthia. Quoi? Arrête, je refuse de vous croire. Je refuse de vous croire. Elle en a utilisé 2 déjà. Oh non, ça va être trop long. Et j'aurai pas assez de rappels pour jouer le jeu. Ça va être beaucoup trop long. Faut que je privilégie Volt. Hein, parce qu'il y a que lui qui peut tanker. Parce qu'il m'aime trop. On va réanimer lui au cas où il n'y a plus de grêle à un moment donné. Oh, si elle utilise guérison, vas-y, j'abandonne. Je laisse tomber. Oh putain, il a. Oh non. L'amitié n'a pas fonctionné, je crois. Ça marche! Après, il y a Pigeon aussi qui est intéressant parce qu'il baisse la défense à chaque fois. À chaque fois que je le remets sur le terrain. Alors, je sais pas si ça le cumule à chaque fois. Non, je pense pas. Enfin, j'en sais rien en fait. Ah non, c'est l'attaque qui baisse. Ah non, pardon, je pensais que c'est la défense. Oh, j'ai merdé, n'importe quoi. C'est l'attaque qui baisse. Ah merde. Ah, mais c'est intéressant de lui baisser l'attaque à chaque fois alors. Peut-être qu'à un moment donné, il va arrêter de me tuer, je sais pas. Oh, merci, Pigeon. Il veut pas me faire de la peine, ce con. Il est trop gentil, ce con. Oh putain. Et si seulement je pouvais placer une attaque. Oh putain, la grêle me tue. Ah, à chaque fois je me fais avoir, je me dis que c'est trop cool. Et à chaque fois la grêle me tue. Ah, ça rend fou cette histoire. C'est qui a le plus de vitesse là? Vitesse 116, 127, 150. Donc c'est mon pigeon qui a le plus de vitesse. Et pigeon, il attaquait pas en premier, on est d'accord. Hein. Donc même avec 150 de vitesse, mon pigeon était plus lent. Parce que là, franchement, je lui mets une attaque de type combat de pigeon et il meurt, je pense. Et c'est fini. Hein. Ah, je peux placer une attaque avec Shiny, sa griffe. Eh oui, mais tout à l'heure ça a pas marché quand j'ai essayé de le faire. Oh putain, ça dégoûte parce que. Il va mourir de la grêle, ce con. Ça dégoûte trop. Ah putain, il est dans le rouge. Volt est KO. Elle en a 4 des guérisons sur le Poképédia. Oh non. Oh non, j'ai trop peur que ce soit vrai. Je sais pas quoi faire en vérité. Ah, vive attaque! Oh, c'est tellement risqué. C'est tellement risqué. Les vive attaques, mais de fou.
Et c'est là qu'elle utilise guérison juste avant Vive Attaque. Oh putain. Mais Vive Attaque, c'est une attaque pas très forte. Ça fait que 40 de dégâts. C'est nul Vive Attaque. C'est nul Vive Attaque. À quel moment Vive Attaque ça va lui enlever presque un quart de sa vie? Alors je vous répète que Shiny, oui, il tient la griffe. Mais il n'a quand même pas attaqué en premier tout à l'heure quand j'ai voulu faire. J'ai voulu faire une attaque, je crois, non? Et ça n'a pas marché. T'as raison, on peut miser sur le coup critique de Vive Attaque. Vive Attaque plus la grêle! Oh! Imagine. Oh. Plus le stab. Oh. J'ai envie d'essayer en vrai. J'ai envie d'être joueur et d'essayer. Mais si elle me met guérison, je pète un câble. Tellement faire une meilleure attaque que ça, qui lui aurait fait tellement plus mal. Il était mort là. Là, il était mort, sans déconner. Je crois que j'ai perdu. Je sais pas quoi faire, je suis complètement bloqué. Dans tous les cas, si je meurs, non, je vais essayer de voir s'il attaque en premier ou pas. Ah oui, mais après, je pourrais plus rien faire. Attends. Pensez que mon oiseau, il peut attaquer en premier ou pas? J'ai envie de l'attaquer en premier et renvoyer Blizzard après, il lui restera pas beaucoup de vie. Et après, mais j'aimerais beaucoup essayer aussi voir si Blizzard peut attaquer en premier ou pas, en fait. Ce qui est bien, c'est que Pigeon, à chaque fois que je l'envoie, ça lui baisse l'attaque. Je sais pas quoi faire si j'essaie d'attaquer avec Pigeon ou avec Blizzard Roi. Je sais pas lequel des deux a le plus de chances d'attaquer. Mais Blizzard Roi, en fait. Parce qu'il a un objet clairement qui dit attaque en priorité s'il est plus, moins rapide, c'est le cas. L'oiseau, je crois. L'oiseau, il a pas. Bon, je vais faire un rappel. Je fais un rappel sur Volt. Il faut que je joue les PP. Il faut que je joue les PP. Et ça aurait été bien qu'il lui reste un PV là, vu qu'il n'y a plus grêle actuellement. Ça aurait été génial. D'ailleurs, je vais peut-être essayer de faire ça avec Volt vite fait. Avant de lancer Shiny, tant qu'il n'y a plus grêle. Ah oui, mais par contre, je perds un tour de rappel hein, avec la grêle. Ah, c'est con d'avoir fait ça. Ouais, il faut que je baisse l'attaque au max. Il faut que j'envoie à chaque fois Pigeon, un maximum de fois pour qu'il lui baisse l'attaque. Oh, il tient pas le coup, dommage. Putain! Là, s'il avait tenu le coup à un PV, j'aurais pu faire quelque chose d'intéressant. J'ai envie d'essayer d'encore de lui baisser son attaque. Mais il faut que j'envoie Grêle à un moment donné. Sinon on lui fera jamais aucun dégât en fait. Oh. Je le tente en fait. Blizzard, j'essaie de le geler. Il faut que mon objet marche et que j'attaque en premier. Et il faut. Et après ça, j'ai une chance sur 10 qu'il soit gelé car chaque rock. Ah putain, ça marche pas. C'est pas prioritaire, je suis dégoûté. Pourquoi l'objet ne fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas l'objet? Je suis censé attaquer en priorité et ça dégoûte. Il me reste pas beaucoup. Oh, il m'en reste 7. Adieu. Oh,
Oh là là, il m'en reste 7. C'est terrible. On... Oh, attends, il m'a pas attaqué. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Il va le refaire. Tu crois qu'il va le refaire? S'il a fait une fois, c'est qu'il va le faire deux fois. Donc je pourrais essayer de lui placer un petit close combat, non? Non, tu vois pour ça qu'il va le faire deux fois d'affilée. Il me l'a fait deux fois d'affilée tout à l'heure. Hein. Non, tu crois pas? J'en profite pour faire un rappel, encore. Ouais, c'est risqué de ouf, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je peux, par contre, réessayer l'attaque avec Blizzy. Oh, j'ai évité l'attaque parce que je suis pote avec mon Pokémon. Ah non. Ah si! Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas... Je refais un rappel, peut-être? Comme ça, je pourrais faire encore plus d'attaques avec les autres. Je fais un rappel sur... Y'a personne qui a une attaque prioritaire des fois là? Tente de le taper, tu crois? Mais il va attaquer en premier si je le tente de le taper, vous êtes... Ah, vol! J'ai pas pensé à l'attaque vol! Oh mon dieu! Et il attaque en premier. Oh! Je l'évite! Mais j'aurais dû attaquer, faire l'attaque de combat qui était beaucoup plus forte! Il perd des PP. Ah oui, il perd des PP à chaque attaque, c'est vrai! Et moi je prends de la grêle, et lui aussi. Dracogriffe, il perd un PP. Ah putain, il me fait mal ce con! Et je prends la grêle. Ah, la grêle s'est arrêtée. Donc je vais laisser mourir Pigeon. Je vais laisser mourir Pigeon pour renvoyer le Pokémon avec de la grêle. Par contre, c'est là encore en soin là, je démissionne les gars. Donc je vais laisser mourir Pigeon. Donc je vais pas attaquer parce que c'est trop risqué de miser sur le fait que je suis pote avec mon Pokémon et ça me touche pas. Et j'ai envie d'essayer de donner une potion à Volt et voir s'il peut encaisser une seule attaque Volt. Parce qu'il tank et parce que j'ai pas arrêté de baisser l'attaque de Karchakrog même si lui il vient de la réaugmenter. Qu'est-ce que je fais? Soit je fais vivre un autre Pokémon et c'est cool. Comme ça je gagne un tour. Ah ouais, séisme me tuera dans tous les cas, ouais. T'as raison. Ah, il va mourir avec grêle dans tous les cas. Je vais faire ça. Je vais le faire sur Tuxi. La grêle s'est arrêtée, ils ont dit. Hein. Il y a plus de grêle. Hein. Il faut que je renvoie le Blizzaroi pour faire de la grêle. Et il faut que Blizzaroi il attaque en premier. Il faut que Blizzaroi il fasse Blizzard et qu'il gèle. Et voilà. Et il faut que ça... Je sais pas, il faut qu'il se passe des trucs là. Il faut que l'objet marche. Il faut que j'attaque en premier. Putain, non. Ah, j'en ai marre. C'est pas vrai, putain. Ça me dégoûte, j'arrive pas. On va envoyer Volt, on va faire revivre Pigeon. Parce qu'au prochain tour, il part dans le rouge, Karchakrok. Et s'il est dans le rouge... Ah non, je suis niqué pour la guérison. Elle utilisera guérison avant que je fasse... Ah non, je peux faire... Non, elle fera guérison avant mon vive attaque. Je pense que c'est niqué. Ah mais elle l'a fait maintenant. J'en veux plus de ce jeu. J'en veux plus de ce Pokémon. Je vais pas y arriver. J'ai fait que 3 rappels. Oh, ça dégoûte. Mais c'est quand qu'elle a plus de PP là? J'ai que 3 rappels, je vais pas pouvoir y arriver avec 3 rappels. Je lui baisse son attaque. Je peux faire que ça. Je peux que lui baisser son attaque. Et je vais tenter vive attaque. Parce que j'attaque en priorité, elle a plus rien. Et je fais revivre Pigeon 3 fois d'affilée. Et oh mon dieu, quel stress!
Vive Attack, je vais gagner sur des Vive Attack. Ça fait tellement pas mal. Oh non. Le problème avec Vol, c'est qu'il attaquera quand même en priorité avant moi dans tous les cas. Il attaque avant moi, j'ai pas le temps de faire Vol qui me tue en fait. On va envoyer Tuxi, on va garder Shiny pour plus tard quand il y aura plus la glace. Il faut que mes Pokémon m'aiment et qu'ils esquivent les attaques, j'en sais rien moi, mais il faut qu'ils trouvent des solutions là. J'ai plus que deux rappels, oh c'est la fin du monde. Oh, c'est la fin du monde. Attends. Qu'est-ce que... Attends, alors, je réfléchis. Je l'attaque, mais il va attaquer en premier. Ou alors, je me mets une hyper potion, je reprends toute ma vie. Mais si mes séismes, il m'explose. J'ai envie de tenter... Peut-être qu'il n'a plus de séisme. Peut-être qu'il n'a plus de séisme. Alors, guérison. Un médicament qui restaure tous les PV d'un Pokémon et soigne toutes ses altérations au statut. Ça remet pas les PP, hein. Ça remet pas les PP, hein. On va voir. On va voir ce qui se passe. Pas de coup critique, s'il te plaît. Ah putain, il a des putains de baies, ce con. Du coup, ça va faire que mon attaque sera pas trop forte. Je vais me remettre de la vie. Ok, c'est ça. Attends, mais quoi? Mais quoi? Mais elle en avait 5, des guérisons, des soins? Mais attends, mais ça s'arrête jamais? C'est quoi cette histoire? Mais d'où elle en a 5? Oh, je vois. Tu gèles. Tu le gèles. Oh non, pas dans Slam! Non! Non! Oh non! Putain, mais si elle avait pas cette 5ème guérison, j'avais gagné! Mais quel couillon! Wouah! Crise d'émotion! Mais pourquoi d'un coup ça l'a tué? Wouah! Let's go! Ouais! Yes! Mais oh, le chat en feu! Oh! Oh! Attendez que le chat arrive! Oh! Mais comment c'est possible? Mais pourquoi c'est passé d'un coup? Mais pourquoi j'ai enlevé la moitié de sa vie et là et tout ça, tout est parti. Ah, il avait utilisé sa B. Putain, je one shot avec un laser glace car chaque rock, si seulement je l'avais fait depuis le tout début. Si j'avais envoyé. Oh, mais c'est un truc de fou, si je l'avais envoyé en premier, je l'aurais one shot dès le début. Il a fallu que ce soit Volt le Pokémon en premier. Non, le pigeon, il a fait Dance Slam deux fois. Alors que si je l'avais juste envoyé dès le début, Tuxi, c'était fini. Laser glace, fini, t'es mort, adieu. Oh mais ce combat de ouf! Mon gars! Il y a quelques minutes, tu n'étais encore qu'une dresseuse redoutable venue me défier, mais à présent, tu es digne du titre de maître. Ah oui, le réussisme! Non mais c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, la strat, ça a été vraiment d'épuiser les pépés. Wouah, c'était incroyable. C'était vraiment le meilleur combat de ma vie, je pense. C'était trop bien.
Elle-même, elle le dit, regarde, c'était incroyable, quel combat exceptionnel. Tu as mené tes Pokémon à la victoire en leur donnant des instructions de façon réfléchie, mais aussi en les encourageant à exploiter tout leur potentiel. Alors là, ça, c'est clair. C'est à la fois ton ardeur et ton calme qui vous a permis de gagner. Ensemble, vous êtes capable de relever tous les défis. Après un tel combat, je suis fier de te couronner, nouveau maître de Sinnoh. Prends l'ascenseur, je te rejoins. Let's go. Et à tous ceux qui croyaient pas en moi là, qui ont voté sur la prédiction, je vous ai vu que j'allais pas one-shot la Ligue Pokémon. T'inquiète pas que je l'ai one-shot la Ligue Pokémon. Mama, c'était trop bien. À 3 rappels près, à 2 rappels près, je crois qu'il m'en restait 2 ou 1, je sais plus. C'était trop bien. Au bout de ce couloir se trouve le Panthéon. Ouais, j'avoue, merci les achats au début du live, c'est clair. Sacha, ton dernier combat était grandiose. Bonjour, professeur Sorbier. Eh bien, dire qu'une enfant à qui j'ai demandé de l'aide pour le Pokédex est parvenue jusqu'ici, je manquerai son heure de gloire pour rien au monde. Sacha, tu as tellement mûri, tu es devenue une dresseuse puissante, indépendante et sur qui on peut compter. Professeur, vous aimez toujours autant voir l'évolution des jeunes dresseurs, n'est-ce pas? Sacha, suis-moi, s'il te plaît. Professeur Sorbier, oui, je voudrais que vous veniez également. Incroyable, c'était trop bien. Trop bien. C'était trop bien, putain, c'était trop bien. Je suis ravi. La dernière fois que je suis venu ici remonte il y a bien longtemps. Si vous voulez parler de mon entrée au Panthéon, en effet, c'était il y a une éternité. Quoi qu'il en soit, bienvenue au Panthéon des dresseurs, Sacha. Je l'ai one shot, Cynthia, qu'est-ce qu'il y a? Ton nom et celui de tes Pokémon seront inscrits ici à jamais. Les souvenirs de vos aventures y resteront gravés. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires, qu'ils grandissent avec toi à travers toutes tes épreuves. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. C'est ouf. Trop bien. Pour l'éternité dans le futur. Mais est-ce que c'est possible aussi pour l'éternité dans le passé? Et comme ça, dans Pokémon Légende d'Arceus, je pourrais revoir, grâce à ma sauvegarde, là, ma team et mon perso. Non, je me fais des films, peut-être. Parce qu'il y a quand même des Pokémon qui contrôlent le temps, hein, dans Pokémon. Donc, je peux me faire des films de la sorte, hein. Vu que Légende d'Arceus, ça se passe dans le passé de Sinnoh, du coup. Oh, cette team. Cette team de Pokémon beaucoup trop stylée. La Ligue a un nouveau maître, félicitations. Yes. 25 heures pour finir le jeu. Yes. Let's go. Je suis pas une légende moi ou quoi là? C'était trop bien. C'était trop bien. Oh là, c'était tellement satisfaisant ce dernier combat. Oh, c'était trop cool. Putain, je suis refait. Je sais pas parce que moi je l'ai vécu, mais c'était trop bien. À regarder, ça devait être stressant aussi. Parce qu'à chaque fois tu te dis, mais il va vraiment crever. Et merci le jeu qui est ultra facile. Et le fait que mes Pokémon ils esquivent les attaques pour me faire plaisir. Genre Volt qui a esquivé deux fois l'attaque d'affilée. C'était n'importe quoi. Merci beaucoup Frangipane pour les 7 mois de resub. 5 guérisons, c'était abusé de fou. Putain, je crois qu'elle en avait que 2 à la base. Elle en avait 5, s'il te plaît. Si vous, elle en avait 6, elle en avait 10, tu sais pas. Hein. Mais c'est juste que je l'ai one-shot, c'est tout. Merci Naptenio pour les 5 subs que tu as offert, c'est super généreux de ta part. Hein. Merci beaucoup. Eh, c'est un foreshadowing de Légende Arceus qu'on est en train de voir là ou quoi là? Les Pokémon en 3D. Oh. Bon, la prédiction là, du coup, c'était quoi? Il y avait quand même 66% des gens qui ont voté, qui ont dit que jamais je one-shot toute la ligue. Donc il y a que 34% des gens qui ont gagné et ils se sont partagés à eux. Plus de 155 000 points de chaîne. Merci d'avoir cru en moi. Bien joué. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est trop bien. Bravo à ceux qui ont osé parier. Ouais, je vais le faire en live à Légende d'Arceus. Soit dimanche, soit lundi. Je sais pas encore exactement. C'était trop cool. C'était trop bien. Je suis content. Ah, je me sens... Tout content. Tout satisfait. Tout apaisé. Oh, c'est quoi cet endroit? C'est... Ah oui! Le manoir, là, hanté.
Par contre, j'ai jamais été habillé comme ça, du coup, le jeu. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien, rien que pour ce dernier combat, là. Putain, le cap de difficulté qui augmente entre la Ligue Pokémon et tout le reste du jeu, c'est abusé. Ah, il aurait fallu que je me batte avec une casquette et une veste rose, apparemment. Trop hâte de te voir sur Minecraft jeudi. Alors c'est pas jeudi, c'est samedi du coup, Minecraft. Attention à pas confondre. Hein. Minecraft c'est... Ouais, Minecraft c'est samedi, jeudi c'est Stardew Valley. Hop, le jeu. Tu veux aller au sous-sol? Non. Non, non, là c'est fini, c'était le dernier live sur Perle Scintillante, on n'y retournera pas, on n'y retournera pas du tout. Minecraft RTX, alors pas samedi, mais dès la semaine prochaine normalement oui, puisqu'il y aura d'autres lives Minecraft. Et ce samedi non, parce que mon PC il faut que je l'amène chez le réparateur, donc je vais pas trop le faire souffler, le faire pousser. Et une fois mon PC sorti de l'hôpital lundi, et si tout va bien, hein, là par contre je pourrais pousser les performances à fond. Mais samedi, non, il n'y aura pas les performances à fond pour Minecraft. Il n'y aura pas de RTX, désolé. Là on l'entend, hein. Le PC il souffle à fond et pourtant, hein, sur mon ordi, il y a juste Google Dover, Discord et OBS. Il n'y a rien d'autre. Parce que le jeu il se joue même pas sur le PC, il tourne sur la Switch. Mais de toute façon, il souffle tout autant, même quand j'allume le PC, juste j'ouvre à peine Google Chrome ou rien d'autre, il souffle à mort déjà. Il n'en peut plus. Putain, on les a même pas capturés, je viens de capter. On est même pas allé à leur recherche. Je le ferai hors live, ça. Maman, je suis la maître du monde, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais te faire des pâtes, let's go. Allez, un bon plat de pâtes. C'est vrai qu'elle m'avait empêché de rentrer chez moi au début du jeu. Je peux plus rentrer chez moi. C'est terrible. Fang. C'est la Fang. Bah, c'était... Bah, à part le dernier combat, enfin, à part la Ligue Pokémon, c'était pas fou. Il était pas fou, ce jeu. Du coup, ton avis sur Remaster? Ah, bah justement, Neptune, c'est ce que j'étais en train de dire. Depuis le début que j'y joue, je le dis. Alors, visuellement, il est joli. Bien qu'il y a des fois, je me dis, mais attends, mais ça, c'est bizarre ça. Parce qu'en fait, ce que je trouvais chelou, c'est quand on regardait de loin, tu sais, les lacs, des trucs comme ça. Quand t'étais loin, c'était tout flou. Et quand t'étais près, c'était magnifique. Ou plutôt, quand la caméra se zoomait sur le personnage, tu voyais que c'était magnifique. Et quand la caméra revenait derrière, l'eau était toute floue et ça gâchait tout. Et le contrôle du personnage est atroce. J'ai jamais autant galéré à bouger un perso et à me prendre des murs constamment que sur ce jeu Pokémon. Après, tout ce qui est des bugs et tout ça, je vais pas en parler parce qu'au final, j'ai pas été touché par ça. J'ai pas vécu des bugs quels qu'ils soient. Je suis très content parce que j'ai eu le premier Shiny de ma vie dans ce jeu. C'était Blizzy Shiny, qui m'a bien servi en plus. Et ouais, non, la maniabilité du perso était atroce et... Et esthétiquement c'est joli, mais c'est pas mon style de joli préféré. Moi je suis très à fond sur le style de Pokémon Let's Go. Je trouve que c'est la meilleure direction artistique. Et le truc le plus chiant, je pense, c'est... Il y a un Pokémon sauvage qui apparaît. Alors t'es dans les hautes herbes. Le jeu freeze quelques secondes. La cinématique se lance. Le combat se lance. Une vue sur le Pokémon qui apparaît. Une vue sur toi le dresseur qui lance le Pokémon. Ton Pokémon il est shiny, donc il brille. Puis le Pokémon il dit... Oh, je sautille, je suis content d'être là. J'attends de voir ce que le dresseur va me dire de faire. Puis le Pokémon en face, il a un talent. Puis moi, j'ai mon talent. Ça met 10 ans à lancer un combat à chaque fois. C'est pour ça que j'ai fait que jouer avec des repousses. Des repousses, des repousses. Parce que chaque fois que tu tombes sur un Pokémon sauvage, ça met 10 ans à se lancer. Et tu mets fuite. Et tu t'en vas. Oh, c'est trop long. Atroce. Il y a beaucoup de choses où j'ai fait la remarque que ça m'emmerdait. Comme dirait Macron, puisque maintenant le mot emmerder est dans le... On a le droit de le dire, puisque un président de la République dit emmerder, donc j'ai le droit de dire emmerder sans avoir de problème. Il y a plusieurs moments où ouais, le jeu m'a emmerdé pour le coup, où j'ai trouvé que c'était en mode... Non, ça c'est abusé par contre, c'est vraiment abusé. Mais sinon je me suis régalé sur la Ligue Pokémon à la fin, j'ai eu beaucoup de chance de gagner parce que j'avais vraiment pas les Pokémon qui étaient de level. Mais c'était quand même bien. Mais c'est loin d'être mon Pokémon préféré. Vraiment, vraiment pas du tout.
Donc j'ai très hâte de jouer à Arceus. Dimanche ou lundi, on sait pas encore exactement quand. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, dans au plus tard, une... au moins d'une semaine, du coup. Moins d'une semaine. Voilà. C'était bien. Bon, eh bien écoutez, 23h17, on va arrêter le live là. Comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Et je vais sûrement continuer à bosser un petit peu, donc... Non, je vais pas bosser, je vais me reposer les yeux directement, je pense. Donc je vais vous abandonner là. Hop, j'en enlève mon casque. Ouf. Bon, eh bien au moins je l'ai terminé. T'as les casques, ça me fait toujours des traces dans les cheveux. C'était bien. Je suis content. J'ai fini le jeu en live, juste avant Légende d'Arceus, c'est parfait. Merci à tous pour votre présence ce soir, j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui étaient là dans le chat pour me supporter. Merci aux autres qui n'ont pas cru en moi. Merci à ceux qui ont... participé financièrement à la chaîne Twitch ce soir avec des bits et avec des subs. Merci à la modération d'être restés jusqu'à la fin. Enfin, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, à savoir Zone, Maryse, Mobot et NetGuy. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous en général, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Moi, je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne soirée ou un bon appétit aussi. Et on se retrouve. Eh bien, demain, pas de stream. Demain, je vais en profiter. Je vais bosser. Je vais bosser. Soit je vais continuer le script. Soit je vais bosser sur... Parce qu'il y a une autre vidéo prévue début février. Donc, ouais, je sais pas encore ce que je vais faire. Et merci à Sacha Brownie. C'est vrai qu'il y avait Carrie au début du live qui nous avait raid. Tout à fait. Mesdames et messieurs, c'est sur cette magnifique épi. C'est terrible parce qu'on dirait que je perds mes cheveux. Mais non, c'est juste que je dors de ce côté. Donc ça me fait des épis de ouf. Et ça me fait des cratères dans le crâne. Mais vous inquiétez pas, je ne prends pas la calvitie. Tout va bien. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. J'ai oublié, au revoir YouTube.